Hey, rebonsoir les amis et bonsoir à vous. Si vous regardez cette rediffusion sur YouTube, je vous accueille ce soir sur la chaîne The Fond Fever pour chasser ce soir. On va retourner à la chasse, sauf que contrairement à la dernière fois où on avait chassé sur Wild Hearts, le jeu n'était pas fini d'optimiser. On retournera sur ce jeu mais plus tard. Là, du coup, on va aller faire un tour sur la licence phare de la chasse, donc qui est Monster Hunter. Et du coup, j'ai envie de partager ça avec vous, les amis. Donc, on va se faire un perso et on va découvrir le début de Monster Hunter World avec les cinématiques et tout ça. Et donc, du coup, James, je vois que James est connecté. Tout le monde est là, tout le monde est au taquet. Donc du coup, je vous remercie beaucoup d'être présent sur la chaîne et de soutenir mes projets, c'est très cool. On va passer au jeu et on va faire notre personnage. C'est parti. Forcément, encore une fois, si je ne mets pas le jeu en voilà, ça va pas aller, hein, clairement. Voilà, si je sélectionne pas le jeu. Alors attendez, il y a un petit souci visuel. Je crois savoir ce que c'est. Ne serait-ce pas le mode HDR? Mais oui, évidemment. On va le retirer. Hein. Mode de plein écran. Et ce sera très bien. Et confirmer et retour, et il faut redémarrer le jeu pour appliquer les changements. Ça va le faire, ça va aller. Re Monsterna, c'est honteux, hein. C'est honteux, comme ils disent. Voilà, c'est honteux. Je suis entièrement d'accord, comme disait René Malville. Voilà, c'est ça, chercher son nom. Pas de repos pour les guerriers. Bah écoute, en fait, il se trouve que voilà, Ju est en train de bidouiller sur sa formation, et du coup effectivement, je me suis dit, plutôt que de me faire chier dans mon canapé ce soir, je me suis dit bah peut-être partager ça avec les gadgets et les gadgios. Re Pastaga. Du coup, bien. Pourquoi il veut pas être en plein écran, ce con? Pourtant, dans les options, il me marque plein écran. Plein écran activé. Mode fenêtre sans bordure. Si tu fais ça, ça fait quoi? Il redémarre une fois encore. Enfin, on va y arriver, hein. On va y arriver. Bon, ça va, j'espère que vous avez bien mangé. Nous, ce soir, on a fait des petites pizzas maison. Enfin, c'est Jules qui m'a fait une petite pizza maison. Je vous avoue que je suis blindé. Et puis, il y avait du fromage, pizza, fromage, 4 fromages. Et le problème, c'est que on trouve que c'est fort salé, quoi. Il y a beaucoup de sel dans le fromage industriel, j'ai l'impression. Allez, on va se commencer un petit perso, les amis. Petite question, du coup, tu es plutôt orienté multigaming? Disons que je tends à tester le multigaming, mais bon, j'ai quand même, enfin tu vois, la simulation Pastaga, ça restera quand même, je pense, le cœur du métier. Et mais c'est vrai que là, en ce moment, j'ai besoin d'aventure, j'ai besoin de voyager et tout ça, quoi. Donc voilà. Donc c'est pour ça. Mais il y aura de la simu qui va revenir, hein, bientôt. Quand j'aurai plus mes douleurs aux pieds, que je pourrai reprendre mon volant et tout, voilà. C'est moi qui t'ai donné l'idée pour la pizza? Oui, en partie. C'est bien de varier les plaisirs. Ouais, bah merci, bah si tu donnes du crédit à ça, c'est cool. Bah ouais, je pense que, tu sais, c'est pareil, hein, moi je joue depuis que j'ai 4 ans, ma première Game Boy, j'avais 4 ans, tu vois, j'ai 36 ans en quelques jours. Donc on va dire que... voilà, le jeu vidéo, j'ai quand même une petite bazounette, des années de gaming dans plein d'univers différents, hein. Dans le versus fighting, ouais, la simulation,
les FPS, enfin je veux dire, j'ai... Camarades voilà. De la cinquième flotte. Ah, du coup, je vous laisse avec le... Étant un homme de peu de mots, les lieux seront brefs. C'est pas ça. Une fois à bord de ce navire, il vous sera impossible de faire machine arrière. La prochaine terre que vos pieds fouleront sera celle du nouveau monde. Ceux dont la résolution vacille peuvent encore renoncer. Personne ne les jugera. Très bien. Le voyage peut donc commencer. Que l'étoile de Saphir soit avec vous. On est presque arrivé. Allons conquérir le nouveau monde. Je sais pas pour toi, mais j'ai l'impression que ça fait une éternité que je suis parti de chez moi pour rejoindre la commission. Alors, un peu d'appréhension ? Oh, t'inquiète pas, moi aussi. Il peut nous arriver n'importe quoi, mais bon, c'est tout l'intérêt de... Salut ! Hé ! Tu serais pas de la classe A par hasard ? Quoi ? Sérieux ? Nous aussi ? Hé ! Comment tu t'appelles ? Voilà donc petit instant intro création de personnages. Et du coup on va voir ça. Moi je vous avoue, je préfère toujours faire des mecs. Voilà, il y a des modèles hein. Il y en a qui font peur quand même. Ah, c'est un... Madame, monsieur. Bon, du coup, je sais pas si vous connaissez la série. Probablement pas. Je suppose que non. Du coup c'est un petit peu comme on va retourner la catégorie des choix. Zut, alors attendez. Je fais n'importe quoi. Voilà, confirmé, voilà. Donc, du coup, on va faire son petit perso. Tranquille et mille. Hop. Entendu parler, mais j'ai jamais joué. Non, je connais pas. Je vais essayer de suivre. Ouais, franchement, vous allez voir, par rapport à ce que je vous ai montré sur Wild Earths, qui est en fait une évolution du gameplay de ce jeu-là. Donc du coup, en regardant ce jeu-là, je pense que vous allez comprendre plus la base, et là, ça va être beaucoup plus expliqué. On va vraiment refaire les tutos, la base et tout. Alors, carnation, on va faire un petit peu plus clair. C'est vrai que... On est plutôt un peu blanco, hein. On va pas se le cacher. Alors, une petite coiffure. Plutôt ça. De toute façon, après, ça change rien, puisque après, de toute façon, on peut avoir des casques et tout. Voilà, tout est mélangé, hein. Les coupes garçons, coupes filles. Tout est un peu mélangé, bah, comme dans Wild Earths, hein, ce qu'on avait vu. Mais c'est marrant. J'avais une coiffure sur un autre perso, et... Ah bah, c'était ça. Ouais, ça, j'adore. Hop. Alors, couleur... quelque chose de pas trop dégueu.
Danao. Quel casse-pied, lui. Allez, avec des reflets un peu clair, quand même. Voilà. Alors, hop. Non. Oh, purée, à chaque fois, je me trompe de touche. C'est pas possible, ça. C'est ça. C'est là. Confirmé. Confirmé. Voilà. Sourcil. Ça, c'est bien. Ça fait très japonais, les sourcils, hein. Allez, on va prendre un mec qui a un petit peu de sourcils, quoi. Ah, vous allez voir, franchement, c'est vraiment pas mal. Et en ce moment, je suis en train de re-remater des gameplays de joueurs, notamment, je sais pas si vous connaissez le youtubeur et streamer AlphaCast, par exemple. Ah, lui, il a beaucoup joué à Monster Hunter, et c'est vrai que de le revoir jouer, là, ça m'a vraiment redonné envie de remettre les mains sur ce type de jeu. Et je vous dis, je suis tombé sur Wild Hearts, vraiment, vraiment par hasard, en voulant rejouer à Monster Hunter. Donc vous voyez, c'est vraiment... Il a des beaux yeux, lui, c'est pas mal. Alors, couleur. Allez. Voilà. Si vous entendez des dérapages derrière, c'est Danao qui est en train de... qui est en train de craquer. Allez, voilà, les nez. Bon, celui-là est pas si mal, finalement. Allez. Ça. Il faut tout valider, hein, par contre. Bouche. J'ai une petite bouche. Allez, je dirais ça. Ah, la pilosité. Ah bah enfin, des vraies barbes d'hommes. Il n'y en a pas beaucoup, hein. Alors moi, elle n'est pas de la même couleur tout à fait, hein. Vous aurez remarqué. Ma barbe est plus foncée que mes cheveux et d'une autre couleur. Mais bon, bah allez, pour harmoniser le perso. On va faire ça. Ou on peut la foncer un peu, voilà. Très bien. Maquillage. Alors j'en mets jamais, sauf dans Monster Hunter. Parce que vraiment, je veux me la jouer... comment? Vous savez, chasseur un peu... voilà, un peu... un peu à l'asiate, quoi. Alors comme ça, mais par contre... c'est pas vraiment la luminosité, c'est la saturation, non? Plus foncé, peut-être? Ah, luminescence. Je pense que c'est ça. Voilà. Luminescence, c'est vraiment genre ça brille. Ouais. Transparence. Voilà, minimum. Faut pas que ce soit trop transparent. Métallique, non. Brillant. Bon, non, c'est mat, hein. Plutôt mat. Hop. Ça lui donne une bonne tête, hein. Maquillage 2, c'est quoi? Ouais, c'est plus cosmétique là peut-être. Ah non, c'est aussi des trucs, d'accord. Non.
Ouais, c'est bon. Là, expression. Abby. Bon, je vous avoue, au début, vous avez une dégaine de plus qu'un. Aeroflow style. Ton sosie, carrément. Comment on va alors ce PC? Mais écoute, j'ai l'impression que ça va mieux. Excusez-moi, j'ai pas regardé le perso. On dirait qu'il a dormi sur un bâton de dynamite. Mais c'est ça qui est bon. Non, il a une tête chelou, je trouve un peu. C'est Sonic version humain, j'ai trouvé. T'as mis trop de gel. Et attends qu'il sorte le couteau à beurre de 2 mètres. Mais c'est exactement ça. Ça, c'est exactement ça. Ça, vous... Et vous commencez à me connaître vraiment, quoi. Ça fait peur. Et en tout cas, là, j'ai le moule burn en... le moule burn en cuir. Par contre, je suis pas satisfait, c'est juste du visage. Ouais. Ça, c'est plus ça. Comme ça aussi. Plus ça. C'est tout bon. Allez. Alors, donc la voix. Non, mais... Descends, tu me soupes. Descends. Tu me fais trop mal. Ça, c'est moi, ça. Je peux rien nous cacher, enfin ouais je sais. Vous m'observez comme Vous me faites peur, vous savez. Alors, l'armure gardien est désormais sélectionnée par défaut. Cette armure est recommandée pour les chasseurs de tout niveau. Les talents et les statistiques de cette armure vous permettront d'affronter les monstres les plus coriaces des rangs experts ou novices. Équipez l'armure du gardien Alpha Plus pour démarrer du bon pied dans le nouveau monde. Alors ça me gêne un peu. Parce que justement, je pense que cette armure est trop cheatée. Vous voyez ce que je veux dire ? Mais vous avez vu, t'as vu Flo là, les reflets par exemple sur le casque et tout, tu vois, là y'a rien qui rame quoi. Là on est bon. Parce que moi j'aime bien cuir, moustache. La maille, il n'y a que maille qui maille. Mais en vrai, ouais, parce que celle-là elle est magnifique, hein. Superbe et tout, mais j'ai peur que ce soit trop cheaté. Non, on va partir avec du cuir, vraiment, voilà, quoi. Si on veut faire un perso, voilà, vraiment, vraiment propre, allez, on va partir sur ça. Et on va terminer... Alors, c'est quoi? Changer le fond? Ah oui, changer le fond. D'accord. Ouais. C'est encore beau, hein. Franchement, c'est un jeu de 2015, je crois. Le cuir, c'est très bien. Bon, ben, voilà. We are good. Allez, c'est parti. Entrez votre nom. Où ça? Là? Ah. The Fever, Twitch. Fin de Fever Live. Ok. TFTL, TFL, non, FTFL. Confirmez ce nom, oui, c'est parti. Ah oui, c'est vrai, putain, on doit faire un panico. Non, eh oui, regardez, cheveux bleus, je te jure, c'est Sonic. Ah, je pensais qu'il était plus récent, le jeu. Bah, justement, c'est pour ça que c'est embêtant, c'est parce qu'en fait, le jeu est magnifique, mais il date un peu. Donc, bon, soit, ça veut rien dire. Et en fait, le truc, c'est que ils ont sorti le Monster Hunter Rise, donc qui est plus récent, mais qui est en fait un portage de la version Switch. Et du coup, bah, c'est dégueulasse, quoi. Allez, on va mettre comme ça. On va faire Oreo. Alors, la fourrure. Ouais, ça, c'est tout blanc. Hop.
Voilà. Le motif. Bah ouais, c'est... Ouais, non, c'est ça. Alors par contre, élément 1. Ce sera tout gris. Voilà. Ça, c'est bien blanc, du coup, on a dit. Voilà. Non. Et le troisième élément... Oh, allez, on va mettre les pattes grises. Voilà. Les yeux. Non, il a des petits yeux comme ça. Oh. Mon bichou. J'ai pas compris c'est quoi le chat. Tu vas voir, tu vas comprendre. C'est pour ça que je vous dis. Vous allez voir, je suis sûr que vous allez kiffer en vrai. Voilà, ses yeux, ils sont quelle couleur? Un peu marron vert. Oh, il a des petits yeux mignons comme ça. Allez, on va lui mettre vert. Voilà. Hop. Les oreilles, bah ouais, c'est des oreilles... Ouais, comme ça. La queue. Bah ouais, il y a une queue normale. Les habits. Oh, il va avoir du cuir aussi, lui. Cuir, cuir, queue et moustache. Attention. Oh, il a une voix comme ça, très aiguë. Hauteur, on va lui mettre élevé. Ça, vous voyez, ça, c'est Oreo qui gueule à travers la nuit, ça. Et on va lui mettre du cuir. Allez, terminé. Et donc, ce sera Oreo. Je sais pas s'il prend les accents. Confirmé, oui. On est bon ? Quand il y a des chats, forcément on kiffe. Je veux du gameplay. Ça arrive, ça arrive. Allez, démarrer avec ces personnages. Je vais peut-être devoir repasser en mode... Sans... Parce que je crois qu'il y a... Il y a de la cinématique. Vous êtes prêts? Je vous laisse avec la cinématique. Se dirige-t-il vers le Nouveau Monde? Ça fait plus de 40 ans que la Guilde a mis en place la commission de recherche et elle n'a toujours pas la réponse. Avec la 5e flotte, la Guilde compte bien résoudre ce mystère. Rien ne nous arrêtera. Calme-toi. Hé, hey, au fait, il paraît que les classes A ont pour habitude de travailler en binôme. Tu as déjà rencontré ton partenaire? T'as remarqué? Ça commence à s'agiter. Le bruit des vagues a changé. On approche peut-être de la terre ferme. T'es de la classe A, pas vrai? Salut, toi! Je suis désolée. J'ai peut-être un peu écouté votre conversation. Enfin, ravie de te rencontrer. Moi aussi, je suis de la classe A.
Et voilà, ça s'annonce sous les meilleurs auspices. Alors, le bateau est coincé. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ah. Oui, il y a quelqu'un. Allez, on va grimper. Ça, c'est notre assistante. Ouais, je sais pas. Je sais pas, le perso il parle pas et ouais, je sais pas pourquoi ça fait ça. Mais je pense que c'est quand il donne des coups, tu sais, genre. C'est pour ça qu'il n'y a jamais de phrase construite, tu vois, quand ils te font tester, écouter les voix. Je pense. C'est un Cro-Magnon, ouais, c'est ça. Il va falloir esquiver des trucs, je crois. Ah, là, on l'a entendu gueuler un peu. Allez, on la suit. Suivez l'assistante. Et là, vous comprenez que le sol, c'est... Mais je trouve que les cinématiques et tout sont encore belles pour un jeu de 2015, quoi. Pour un jeu de 2015 sur, je veux dire, ça a presque 10 ans, ça. C'est quand même... ça a 7 ans. Mais je trouve que ça fait pas cheap. Ça fait plus beau que le portage qu'ils ont fait, Monster Hunter Rise. C'est ouf. C'est quand même incroyable. Je préfère déjà Wild, à Wild Hearts parce que l'intro introduit un contexte. C'est vrai que c'est plus cryptique dans Wild Hearts, mais je pense que le From Software n'y est pas pour rien. Tu vois ce que je veux dire? Là, ce jeu, il sortait la même année que Dark Souls 3, donc il y avait eu Dark Souls 1 et 2. Mais là, avec Elden Ring, évidemment, Wild Hearts a essayé un petit peu d'être plus mystérieux, plus cryptique au début, et du coup, ça donne un peu ce côté un peu japonais, mystérieux, que là, par contre, ça donne à côté avec les chats et tout, Japon rigolo, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas la même ambiance. Et c'est bon, vous allez voir, c'est magnifique. Donc c'est ce que je vous disais la dernière fois, les camps, là ils sont, vous pouvez pas les faire, c'est les camps de la carte, ils ont été posés par les devs et c'est comme ça. Il y a une carte à l'intérieur. Alors, ouvrir la carte. On doit se trouver par ici. Mmh. La base de la commission de recherche est là. C'est là que notre navire aurait dû amarrer. Pour l'instant, je pense qu'on devrait essayer de rejoindre le QG. Cette carte devrait nous aider à retrouver notre chemin. Alors attendez, je vais juste vérifier un truc dans les options, c'est pour le son. D'accord, non, c'est moi qui ai un son un peu bas là.
Voilà. Mais vous voyez, on retrouve clairement le même type de vue. Le type de vue à la troisième personne. Et là, bienvenue dans le monde d'Astera. Alors peut-être que les animations vont faire un petit peu robotique des fois sur certaines créatures par rapport à ce qu'on voit maintenant, mais l'ensemble reste super beau, moi je trouve. Regarde, le QG de la commission de recherche, c'est là qu'on va. C'est l'espèce de des voiles là-bas. Alors elle fait quoi elle ? On va la suivre. Si j'en crois la carte. Le chemin menant au QG se trouve... Vous voyez, on peut pas les caresser, quoi. Vous voyez ? Ces aptonautes semblent aussi dociles que ceux du vieux monde. Les aptonautes. Donc pareil, il y aura plein de trucs à ramasser. J'ai l'impression qu'il va falloir faire le tour. Ah. Ah oui, c'est vrai. Ah, vous voyez, ça fait longtemps que j'ai pas joué, du coup je suis totalement paumé. Hein. Mais vous voyez, c'est quand même bien foutu, quoi. C'est bizarre, les navicioles se rassemblent. Alors les navicioles, c'est les trucs vert fluo, là. C'est nos espèces de... C'est comme des guides, un petit peu, vous voyez. Elle est où, la mémère, là ? Quelle plante étrange ! Allez ! Il y en a une autre par ici. Allez, viens. Je crois que je sais comment rentrer au QG. Ça, c'est le côté japonais cucu. Vous voyez j'ai ce que je veux dire. J'ai demandé aux navicioles de mémoriser mon odeur tout à l'heure. Si jamais tu me perds de vue, suis les navicioles et elles te guideront jusqu'à moi. Cool. Bonjour à tous, hein, en fait, à ceux qui sont arrivés en cours de route. Et merci d'être là. On redécouvre Monster Hunter après avoir mis les mains sur Wild Hearts. Qui est très mal optimisé, du coup on revient sur une valeur sûre des jeux de chasse, à savoir Monster Hunter World. Première version PC, beau gosse. S'ils ne trouvent pas, c'est qu'ils sont un peu cons, hein, quand même. C'est bon, la voie est libre. Profitons-en pour filer. Alors attendez, je vérifie juste un truc. Rien ne peut nous arrêter. Ah. Je crois savoir pourquoi j'avais un drôle de son. Mic off. Mic feedback off. Ça valait mieux. Allez, on va descendre. Quelque chose. Donc c'est ça les navicioles, vous voyez les trucs verts là. Donc là il y a le bateau là-bas en haut là. Des empreintes. Donc voilà, on va ramasser des écofacts. Et en fait, ces écofacts, ça va être en fait tout simplement les empreintes d'animaux. Alors ça va être du popo, ça va être de la bave, ça va être des traces de pieds, de pattes et tout. Et du coup, après, vous allez savoir repérer la façon, voilà, dans quel sens va une bête, un des monstres et tout.
Ah, je me souvenais plus, il y a beaucoup de cinématiques en fait, hein. Oula. Sur le camp. Ok. Et donc voilà un petit peu l'intro, bon basique, hein, mais vous allez voir, tout va être scénarisé comme ça. C'est vrai que c'est beaucoup moins cryptique que Wild Hearts. Je vous dis, hein, ils ont voulu faire un mix entre Elden Ring, entre genre on soutient entre studios japonais et tout, je pense. Impressionnant, non? Regardez un peu ça. C'est comme si la nature avait voulu qu'on bâtisse Astera ici. Astera, ça sonne bien. Voilà le village principal, du coup. Le reste de la cinquième flotte est déjà là. Vous êtes les derniers. Rien de cassé? Vous en avez bavé, hein? J'avoue qu'on commençait à se faire du moron pour vous. Quel soulagement. Sonic. On était sur le point de partir à votre recherche. Tout est bien qui finit bien. Non, ça lui va bien. Hé, hey, donnez-nous un coup de main. Désolé. On doit y aller. Voici le marché. C'est comme ça. La musique aussi est excellente. Regarde tout ce monde, tout ce matériel. Pas mal, hein? On a tout ce qu'il faut ici. Des chasseurs pour l'exploration, des scientifiques pour la recherche, et des artisans qui soutiennent tout ça. Cet endroit est le cœur de la commission. Attendez, je reviens. Commandant, je les ai trouvés. Ashton Mur. Bienvenue à Astera. J'étais sûr que vous arriveriez jusqu'ici. Quand on a été commandant aussi longtemps que moi, on finit par savoir repérer les bonnes recrues. Je vous ferai bien un rapport complet, mais je ne sais plus où donner de la tête en ce moment. Dès que la situation le permettra, j'organise un conseil dans lequel nous aborderons les points importants. Je compte sur votre présence, évidemment. La guilde m'a dit le plus grand bien de vous deux, je pense que vous formez une excellente équipe. Au fait, chasseur, ton camarade à fourrure te cherche. Le pauvre s'est échoué sur la grève il y a peu. Allez donc faire un tour dans Astera, une corne retentira lorsque le conseil pourra commencer. Bon, c'est parti pour la visite guidée. Commençons par chercher ton palico. Palico! Voici le bazar. Tu y trouveras la plupart des fournitures de première nécessité. Donc si on a besoin de quelque chose, c'est là qu'il faut aller. Fougueux de la quatrième.
On dirait des noms de chevaux. Et maintenant, direction la forge. C'est par là. Par ici. Je suis à fond, hein, je peux pas courir. Vous êtes de la cinquième flotte, pas vrai? Bah oui, on vient d'arriver. Mon grand-père est arrivé avec la première. C'était il y a une éternité. Moi, j'appartiens à aucune flotte. Je suis né ici. J'ai jamais vu le vieux monde. Voici la forge. La forge. Tu y fabriquer tes armes et armures. Autant dire que tu y passeras un certain temps. Oh oui. Regarde cet endroit. On peut y jeter un coup d'œil. C'est une vraie fournaise là-dedans. C'est normal, j'y suis, bébé. Faut aller voir. Prochain arrêt, la cantine. Allons-y. Forgeron. La cantine, vous allez voir, c'est le kiff total. La cantine, j'arrive. Grosse gif. Par ici. Oh mais putain. Voici la cantine. La cantoche. Oh, Oreo il est perdu. Avec sa petite gourde, vous avez vu? Comment vous voulez ne pas craquer? Je savais que tu t'en tirerais. Bon, le conseil va se rassembler. Allons-y. Oui. Bon voilà, c'est un petit peu lent au début, hein. C'est une intro, hein. Alors, nous pouvons commencer. Après avoir chassé un dragon ancien dans les hautes mers, la cinquième flotte est finalement arrivée à Astera. Je vous demande de les accueillir chaleureusement. Avec eux à nos côtés, nous espérons que les efforts de la commission de recherche soient enfin récompensés. Soyez les bienvenus parmi nous. Parmi nous, le petit chat, le palico. Merci, commandant. Pardon. Nous allons faire de notre mieux pour vous être... Excusez-moi. Nous formons l'équipe principale de la commission. Je vous invite à faire plus ample connaissance. Ce sera avec plaisir. Attendez, hop. Bien, entrons dans le vif du sujet. Tout à fait. Le dernier monstre à avoir fait la traversée des anciens est le Zora Magdaros, une bête énorme à l'échine volcanique. La commission cherche à découvrir pourquoi les dragons anciens migrent vers... En gros, c'est le truc sur lequel on était le... sur son dos, quoi. Ces monstres sont parmi nous depuis la nuit des temps. Ils altèrent l'écosystème, dénaturent le paysage et ne laissent que le chaos dans leur sillage. Ils se rendent sur ce continent tous les 10 ans environ. Mais pour quelle raison? Pour fumer des pêtes ensemble, je suis sûr. Avec l'aide de la cinquième, nous percerons enfin ce mystère. Bien dit. On passe enfin aux choses sérieuses. Mais pour l'heure, chasseur... Je veux que vous vous concentriez sur notre problème de Jagras et sur la défense d'Astera. Étudiez l'habitat et le mode de vie des Jagras. Ensuite, nous aviserons. Premier monstre. Comme si c'était fait, commandant. Quant aux autres, vous connaissez la marche à suivre. Nos chasseurs ne doivent manquer de rien. Enfin un peu d'action. Vous autres de la cinquième, commencez par prendre vos marques. Nous serons là pour vous guider. Entendu? Restez avec moi et tout ira bien. La bannière de la cinquième promet un vent de renouveau. À vous de remplir cette promesse. Ce sera tout. Disposez. Merci.
Alors, ça ne fait même pas une journée que la cinquième est arrivée, on vous envoie déjà en mission. Bien, on va s'occuper de ce problème de Jagras, mais d'abord, il va te falloir une arme. Il y a un coffre à ta disposition dans ta chambre. Suis-moi, je vais te montrer. Non, non, mais je vais aller dans ma chambre tout seul, ça va aller. Je vais fouiller mon coffre moi-même, ne t'inquiète pas. Donc là, ça fait dortoir. Hein. Et après, on pourra avoir une chambre un peu personnalisée plus tard dans l'histoire. Tu trouveras un équipement de base dans ce coffre. Choisis ce qui te convient. Alors, il est possible de personnaliser l'apparence des armes, de rang maître à l'aide d'accessoires. À la forge, sélectionnez forger, accessoires pour créer un accessoire. Vous pouvez obtenir de nouveaux accessoires via des quêtes. Pour orner joliment votre arme actuelle, sélectionnez accessoires à partir du coffre. Un beau chasseur doit faire preuve d'amour envers son outil de travail. Les accessoires sont purement décoratifs et n'ont aucun impact durant les combats. Merci. On va regarder dans les équipements. Alors, les différents types d'armes ont une grande influence sur le déroulement des combats. Par exemple, les grandes épées infligent des attaques dévastatrices, tandis que l'épée et bouclier offrent une grande mobilité avec des frappes rapides. Le fusil arbalète lourde est encombrant, mais très puissant. Choisissez l'arme qui convient le mieux à votre style de chasse. Pour vous entraîner librement avec l'arme de votre choix, parlez au chambellan de votre chambre pour vous rendre à l'aire d'entraînement. Oui, il y a une vidéo. Ah oui, voilà, il monte plusieurs types d'armes. Ah oui, il montrait la grosse épée. Voilà, ça c'est le fusil arbalète. Voilà, donc il existe 5 pièces d'armure différentes. Bah voilà, la tête, le corps, les mains, la taille. Bon, voilà. En plus d'améliorer votre défense, certaines armures peuvent également conférer des talents qui s'avéreront utiles durant les chasses. Choisissez les armures qui correspondent le mieux à votre style de jeu. RTLT. Hein. Hop, donc on va regarder un petit peu ce qu'on a. Donc en gros, là pour le moment, on a tout. Vous voyez, voilà, c'est pour ça que j'ai pas voulu équiper l'armure bleue, parce que vous voyez, elle est déjà, niveau physique, elle protège déjà niveau 50. C'est un peu abusé, non? Parce que quand vous commencez avec avec ça ou ça, bon, bah, c'est pas pareil, quoi. Hein. Celle-là, elle défend contre l'eau, celle-là, plutôt le feu. Et donc, du coup, nous, c'est pas ça qu'on veut regarder, on va regarder surtout les armes. Donc, du coup, l'espadon. Moi, c'est l'arme que j'aime beaucoup, que j'ai essayé de vous montrer dans Wild Earth. Voilà. Ensuite, vous avez le katana. Voilà, ça fait des petites vidéos explicatives. Là, on a l'épée bouclier. Voilà, ensuite les doubles lames. Courte portée qui inflige un déluge de coups rapides. Le marteau, j'aime bien aussi le marteau. De frapper les proies à bout portant et de les étourdir. C'est le fameux couteau à beurre, ouais, c'est ça, Stern. C'est exactement ça. Ah, le marteau, c'est bien aussi, mais j'aime bien les gros trucs en fait. La cornemuse. Une arme de soutien dont les mélodies confèrent des bonus aux chasseurs. Ça, c'est plus pour du multijoueur. En gros, vous jouez des mélodies et ça vous buff vos défenses, vos machins. Et à côté de ça, vous voyez, vous pouvez quand même taper avec sur les monstres. Hein. C'est ouf. La lance. Qui permet de charger la proie ou de s'approcher prudemment. Le lance-canon de fer. Qui tire différents types d'obus. Un peu à la Final Fantasy VIII. La hache bestiale. C'est la morpho-hache. C'est la morpho-hache ou la volto-hache? Ça, je crois que c'est la morpho-hache. Ça, c'est la volto-hache. Une arme qui emmagasine de l'énergie sous sa forme d'épée et la libère une fois transformée en hache. Voilà, c'est ça. Donc ça, c'est la morpho-hache. L'autre, c'est la volto-hache. Ensuite, vous avez l'insectoglaive. Une arme légère qui permet de sauter dans les airs et de contrôler les kinsectes.
C'est des insectes, mais qui vont faire des dégâts de foudre, des dégâts de tel ou tel élément. Ensuite, vous avez le déchiqueteur, donc c'est le fusarbalète. C'est comme une mitrailleuse, un peu, hein. Ensuite, vous avez le... l'arbalète. Ça, c'est le fusarbalète lourd. Mais là, par contre, vous pouvez pas vous déplacer. Ça fait plus de dégâts que la petite, que l'arbalète, la petite, la classique. Mais vous voyez, dès que vous l'avez en main, vous marchez, quoi. C'est comme si vous avez une mitrailleuse lourde, en fait. Mais ça balance des obus et tout. C'est assez marrant. L'arc. Et ensuite, voilà. Donc, ben, ça, c'est pour les insectes au glaive. Bon, donc, moi, je vous avoue, hein, on va repartir là-dessus. Voilà, voilà. Je vais vous montrer, on va aller faire un tour sur le terrain d'entraînement. Bien. D'accord, mon Flo, va te poser et bon... bon repos. Quand t'auras fini tes préparatifs. Et merci d'être venu. Parle au chambellan pour te familiariser avec tes armes dans l'aire d'entraînement. Allez, on va aller faire un petit tour sur le terrain d'entraînement. Alors, je passe un peu, c'est des discours basiques, mais en gros... Ah oui, on peut changer la tenue de l'assistante aussi. On peut l'avoir... ouais, c'est un petit peu... c'est un petit peu... bon. Il y a des fois des trucs, c'est un peu... un peu osé, quand même, je trouve. La succube. Tout de rouge vêtu. Ah, la danseuse brésilienne, j'aime bien. Mais c'est beau quand même. Et donc ça, ils ont développé ça. Au début, il n'y en avait pas. Et puis finalement... ah, on va aller à l'aire d'entraînement vite fait. Et après, on ira se faire la première mission. Voilà. Eh bien, on a compris. Ah oui, le grappin... avec LT et rond. D'accord. Non, attends. Comment on fait pour faire venir le... entraînement avec le grappin? Non, c'est bon. On va passer en revue les fondamentaux de la chasse. Allez, dégaine ton arme. La grande épée est une puissante arme de combat rapprochée. Tu es vulnérable lorsque tu attaques avec, mais le risque en vaut la peine. Et on dirait qu'il la maîtrise pas, quoi. Utiliser la fronde, même si tu as dégainé une arme. Le défi du bon goût, ma parole. Alors, attendez, faut que je me souvienne comment ça marche. Et les moves sont stylés, hein. Ouais, c'est ça, il y a l'attaque montante aussi. Ça, c'est pas mal. L'attaque chargée. Voilà. Donc là, l'arme fait pas beaucoup de dégâts parce que c'est une arme basique, hein. C'est juste un gros couteau à beurre, hein. Mais c'est clairement ça. Hein. Vous voyez, il n'y a pas tant de combos en fait. Il y a par exemple les classiques 3 fois rouge. Voilà. Ensuite, on va avoir ça et ça. Bam et bam. Bon, là je tape à côté évidemment. Et ensuite, pourquoi LT ? LT ? Quoi ce combo? Je le connais pas le dernier. Ah, il faut des munitions. Avec escarmouche. Ça, je connais pas le dernier. Le dernier combo, là, ça me dit rien du tout, ça. Et par contre, vous voyez, ici, on peut cibler. Chose qu'on peut pas faire dans Wilders pour le moment.
Bref. Bon voilà, vous avez vu à peu près. Il y a une arme que vous voudriez voir ou vous voulez aller faire la première mission? Allez, je vais mettre une touche. Voilà. Ça c'est un écofact. Non, c'est des pierres. Utilise ça avec ta fronde. Tu pourras toucher tes cibles à distance. Oh la violence du truc. Tiens, prends. Perds 2 points de vie. Utiliser la fronde pour détourner l'attention des monstres. Mais du coup, ouais, non, je sais pas si vous avez. S'il y a une arme que vous voudriez que je vous montre ou je ne sais pas. Sinon, on y va, hein. On va se frapper, hein. C'est quoi changer les aimants de l'air d'entraînement? Ah oui! C'est ça qui me parlait tout à l'heure, voilà. Là, on peut faire, voilà. Avec une sorte de mannequin comme dans... Voilà. Et là, au moins, on peut voir son nombre de coups, son... Bon, comme vous répondez pas, je pense qu'on y va, hein, du coup. On va y aller, hein. Allez, go. Retourner au QG. Oui. Maintenant que tu as accès à l'armurerie et au bazar, récupère ce dont tu as besoin. Quand tu auras terminé, va retrouver ton assistante à la cantine pour entreprendre une quête. Donc là, par exemple... Les assistantes font le tri parmi les pistes de la commission de recherche. Et les pistes les plus intéressantes font l'objet de quêtes. Voilà, donc là, le bazar, je vous montre ça vite fait. Voilà, donc le mec il dit, j'ai pas encore tout parce que je viens d'arriver, mais... Voilà. Donc vous pouvez acheter tout, des potions, de la viande, des barils de bombes... des kits de piège pour piéger les ennemis, voilà quoi, c'est vraiment, là il n'y a rien encore, hein, mais après ça devient incroyable. Donc là on est allé voir, ensuite on va retourner voir le monsieur là. Écoute-moi. Alors il faut que j'aborde un sujet important avec toi. Cette commission est spéciale, très différente de ceux que tu as connus jusqu'ici, j'imagine. Il ne s'agit pas de chasser des dragons anciens ou de les punir pour des dégâts qu'ils causent. La commission cherche à mieux cerner leur rôle dans la nature et le nôtre. C'est notre objectif. Les dragons anciens sont la nature. Il serait futile de chercher à punir la nature ou à lui échapper. C'est ce que j'appelle de la chasse. Mais apprendre à connaître la nature, ça, c'est le vrai sens de la chasse. Nous allons devoir relever de sacrés défis. La meilleure voie à suivre ne sera pas toujours évidente. Mais avant de prendre une vie ou d'agir pour la défendre, n'oublie pas de la comprendre. Mais ça, j'aime bien cette philosophie parce que c'est vraiment le côté. On voit que c'est un jeu, voilà, japonais quoi. Je veux dire, il y a voilà le respect des animaux. C'est le prélèvement auprès de la nature que tu fais. Il n'est pas sans conséquence quoi. Donc ça, c'est intéressant, comme approche. Là, on va remonter. Alors, je vois que à la forge. Voilà, donc là, il y a l'armurière. Hein. Eh bien. Voilà, pareil, hein. Je passe le blabla des gars, mais voilà. Alors, le set défenseur, spécialement conçu pour les soldats d'élite, est désormais disponible à l'armurerie. Ce set offre une protection exceptionnelle et ses talents permettront d'affronter les monstres les plus redoutables. Bénédiction niveau 3, flux de vie, cercle de vie. Forgez vite cette armure pour vous aider. Oh, d'accord. Ok. Armure. C'est laquelle du coup? Ah bah c'est ça, c'est l'armure du défenseur. Bah ouais, tu m'étonnes. Bien oui. Ouais. Ouais, avec ça, t'es quasiment invincible. Bref. On la mettra peut-être après. Donc voilà, on peut tout vendre, tout acheter, et vous verrez, après, on ira à l'armurerie
enfin à la forge pour quand on aura récupéré des matériaux comme dans Wild Earth, et vous verrez, on pourra améliorer notre grande épée. Là il y a le chef cuistot. Voilà, donc manger des repas permet d'obtenir des bonus de vie ou d'endurance, ainsi que d'activer des talents spéciaux. Sélectionnez les menus, les repas de votre choix. Donc voilà, il y a plusieurs à chaque fois. Voilà, donc par exemple, vous pouvez payer en plusieurs monnaies différentes. C'est toujours des monnaies que vous acquérissez dans le jeu. Que vous acquérez dans le jeu. C'est pas des monnaies virtuelles contre de l'euro. Hein. C'est vraiment les zénis, c'est l'argent. Les points, c'est vos points. Vous voyez là, j'ai 50 points à droite, c'est les points, c'est quand vous trouvez des trucs justement sur les monstres, comment dire, sur leurs les écofacts en fait, vous voyez, c'est leur caca, leur bave, leurs traces qu'ils laissent, ça alimente, voilà, à chaque fois que vous découvrez des trucs, vous ramassez ces objets sur la route, et bien ça fait monter votre nombre de points. Et donc après vous pouvez payer en points, et les coupons c'est les récompenses journalières, genre tous les jours dès que vous connectez, paf, on vous donne un coupon, voilà. Donc du coup, il y a plein de trucs, hein, voyez, alors soit c'est à la carte, soit c'est vraiment, voilà, repas vraiment préparé, donc ça vous donne en haut le... ça parle de caca, mais voilà. Voilà, donc par exemple là vous voyez, festival de viande, plus 10 pour nous. Plus 4 pour le palico et plus 25 d'endurance. Et l'attaque, on a plus d'attaque. On a plus d'attaque. Bah voilà. Après, il y a des talents. Enfin voilà, il y a des trucs qu'on peut activer en plus, quoi. Vous voyez ? Bon, bref. C'est le principe de la bouffe. C'est comme dans. C'est comme dans les. Comment ? C'est comme dans. Pourquoi ? Il m'a pas parlé ? Je l'ai pas parlé ? Ah, salut, bienvenue à la cantine, c'est l'endroit idéal pour se ravigorer avant de partir à la chasse. Tu fais partie de la cinquième, pas vrai? La cantine est un peu comme un salon, bon, bref. Va t'asseoir au comptoir, mon miné, fais-moi signe quand tu seras prêt à engloutir un de tes repas d'avant-chasse. Voilà, maintenant on va aller parler à notre assistante. M'a l'air joli ce jeu. Oui, bah voilà, bah c'est Monster Hunter World, tu sais... Je vous ai montré Wild Earth, qui était super mal optimisé, qui est sorti en 2023. Là, vous avez un jeu qui est sorti en 2015, mais qui est optimisé et bien travaillé. Et du coup, là, tu vas voir, on va partir à la chasse d'un premier monstre. Et du coup, donc là, on va aller chasser le Jagras de la forêt ancienne. Donc, c'est parti. Allez, nouvelle quête. Voilà, donc vous pouvez aussi, plusieurs modes de jeu, hein. Les missions, c'est vraiment pour la quête principale, les missions libres, c'est pour vous, pour farmer, pour trouver des composants, pour créer des armures, pour continuer les missions d'histoire, parce qu'il va y avoir une histoire de level pour améliorer vos armes, vos armures, et surtout, parce qu'après vous avez rencontré des monstres, ils vont être super forts en feu, et vous avez une armure, avec deux points de défense de physique. Voilà, le mec, il vous lance une boule de feu, vous brûlez instantanément, donc faudra farmer un peu. Il y a des événements, il y a des contrats. Ça, c'est par exemple tuer trois grands monstres en une chasse de 60 minutes. Ah voilà, il y a un peu tout ça, quoi. Donc là, nous, on va dans les missions. Et donc là, première mission, nous allons chasser les Jagras. Donc du coup, il y a 7 Jagras, on va gagner 720 zénis, on a 50 minutes pour le faire. Et donc du coup, vous voyez sur la carte, il nous dit que c'est dans la zone 2, là. Donc du coup, on n'a pas le droit de s'évanouir, mourir plus de 3 fois. Voilà. C'est parti, les amis. Oui. Et donc là, bah, nous, on est prêts à partir. Donc, afficher l'écran de départ. Et on est parti. Et ouais, nous on se balade en ptérodactyle. Allez, c'est parti. Donc là, on revient au camp où on était au tout début. Cette fois, on est équipé d'une arme. Enfin. Je te propose de revoir le fonctionnement des quêtes. Vas-y. Le numéro 1, atteindre l'objectif pour terminer la quête. Ah, logique. Chaque quête présente un objectif. Elle n'est accomplie que lorsque l'objectif a été atteint. Notre objectif actuel consiste à éliminer un nombre précis de Jagras. Voyons voir la carte.
Vous voyez, vous êtes vraiment pris par la main, quoi. On est déjà grâce sur le chemin de la base. Les petits monstres, tu te souviens? Voilà. Il me semble qu'ils se trouvaient de ce côté-là. On va y jeter un coup d'œil? Bah, bien sûr. Merci, Mobali. Tu suis ton Jarl avec enthousiasme, j'en suis sûr. Merci et bienvenue à vous, les amis. Ça fait plaisir. La commission nous fournit certains objets pour chaque quête. Ils se trouvent dans la boîte à fourniture. Ouvre-la et porte ce dans voilà. Donc on va regarder ce qu'il y a dans le coffre. Tac. Donc là, ils nous ont fait des potions et de la viande. Voilà. Des fioles vides, mais je crois qu'on en a assez. Donc là, voilà. On va pouvoir y aller. C'est parti. Bien. Qu'est-ce qu'il dit? Barre d'objets. Fais attention. Bah ouais, ben. 7 munitions fioles. Ah oui, alors il y a plusieurs... ouais, vous pouvez communiquer. C'est comme dans Harry Potter. Vous vous souvenez comment... Voilà, comment... Bah c'est le même délire, quoi. Après, il faut apprendre un petit peu. Là, par exemple... Bon, mon arme n'avait pas besoin d'être aiguisée, mais vous êtes obligé d'aiguiser votre arme. Parce que votre arme s'use au fur et à mesure que vous tapez sur les bestioles. Donc des fois, en combat, c'est chaud de tout faire, en fait. Voilà, les potions... bon, c'est des menus rapides, quoi. Et vous pouvez cuire, évidemment, aussi votre viande, votre propre viande. On va le faire, je vais vous montrer. On va se battre ici avec des aptonautes. On va essayer de tuer lui, par exemple. Voilà, alors c'est pas bien. C'est pas bien. Moi ça m'énerve de tuer des herbivores parce que... Voilà, donc là, on va ramasser sur lui des trucs. Il y aura peut-être de la viande. Voilà, une viande crue. Deux viandes crues. Très bien. Et donc là, par exemple, si on veut utiliser... non, alors attendez. Si on veut utiliser... Faire cuire sa viande, hop, on le fait. Donc là, il faut écouter la musique. Et voilà. Faut retirer la viande à un bon moment. Merci James, bonne soirée à toi. Et donc là, du coup, on a récupéré voilà, un steak à points. Et donc, on peut s'en servir pour récupérer de la vie et tout ça, quoi. Donc c'est parti. On va se diriger... Avant d'attaquer. Oui, les actions à ta disposition varient selon que ton arme est dégainée ou non. Oui, je sais. Mieux vaut ranger ton arme lorsque tu explores ou que tu récoltes des objets. Merci, Captain Obvious. J'indiquerai les sites de collecte et l'emplacement des monstres sur la carte. Oui, parce que elle après, voilà. Donc là, en fait, là on parcourt une carte qui est quasiment vierge, comme on est au tout début. La vous voyez, indique ta position, ton y a rien. Et te permet aussi de suivre les monstres. Et en fait, là, par exemple, vous voyez, elle est en train de repérer sur la carte que là, ici, on peut ramasser de la pierre. Là, ici, on peut ramasser de la vitalis. Là, on peut ramasser de la mousse. Là, on va ramasser des herbes pour fabriquer des potions. Et donc, en fait, à chaque... chaque passage qu'on va faire, bah elle va vraiment noter... Voilà, donc là, on va le faire tout de suite. Je vous montre. C'est du craft, hein, de toute façon. Après, c'est vraiment... Là, on va faire artisanat. Et donc là, une méga potion. Il nous faut du miel et il nous faut des potions normales. Donc là, on a récupéré du miel, mais je sais pas, il nous dit que... Bon, bizarre. Bon, vous allez voir après, ça va se décanter. Allez, on va se faire les jagrasses, là. Je peux pas ramasser? Par ici. Ah non, c'est scripté, pardon. Okay. Ah si, les noyaux. Voilà. Là. Les noyaux rouges, c'est pour faire des munitions. Bon, moi j'en ai pas besoin, mais je ramasse quand même, c'est jamais. Qu'on cherche. Voyons voir un peu comment tu te débrouilles. Bah tu vas voir. On va bien les niquer. Ils vont rien comprendre, des petits amis là. Ah tiens, paf, ils m'ont vu. Zut. Raté. Alors, pas oublier qu'on peut les cibler. Boum. Voilà, ils sont nombreux.
Donc du coup, faut faire gaffe, voilà, donc il faut mettre la garde. Alors là, ça fait très longtemps que j'ai pas joué et je m'aperçois que c'est très rigide. Hein. C'est Monster Hunter. Hein. Ils essaient de s'enfuir. Ne les laisse pas s'échapper. T'inquiète. D'abord, on récupère nos trucs. Tu pourras les utiliser à la forge. Vous voyez, c'est pas du tout pareil que Wild Arts en fait. Hein. C'est vraiment différent. L'approche est pas du tout la même. Par ici. Puis là, c'est des petits monstres. Hein. C'est pas des vrais monstres, des grands monstres quoi. Mais vous doutez bien que ça va venir assez vite. Voilà. Utilise tout ce que tu peux. Ah bah là je donne tout. Hein. Attention, ta vie est en chute libre. Reste à distance et utilise une potion. Donc là on va hop switcher une potion. Ah oui, vous pouvez pas boire de potion avec votre arme à la main. C'est long hein, pour boire une potion, vous avez vu? Là on les a tous aveuglés. Merde. Ah, je pensais pouvoir le toucher lui, mais non. Bon, vous voyez, c'est vraiment une mission débutante, quoi. Hein. Retournons faire notre rapport au commandant. Donc là, on a 60 secondes pour ramasser nos trucs. Hein. Je vous le dis. Faut pas trop traîner. Tu es encore là? Oui, je suis là. En fait, j'avais présenté Wild Earths sur... qui est un jeu de chasse. Wild Earths sur... du coup... sur PC. Mais qui est très mal opti. Et du coup, là, du coup, je leur montre la différence. Je montre la différence à ma commu avec Monster Hunter World. Qui est beaucoup plus beau, mais qui est ancien maintenant. Allez. Et il reste 10 secondes. Dans 10 secondes, on est téléporté. Bon, de toute façon, on se casse. Hop. Il y avait de la mousse. Voilà. Mais toi aussi, t'es encore là, du coup. Alors, est-ce que t'as mis Twitch sur ton téléphone ou pas? Donc là, on a récupéré masse matériaux. Voilà, des écailles, des eaux de wyvern. Voilà, du fer. Une sphère d'armure. Donc là, on va tout prendre. Hop. Les objets récoltés par le palico. Ouais, bon, on peut prendre aussi, peu importe. Voilà. Non, je mets pas Twitch sur mon tel, désolé. Non, mais c'est une vanne, hein, t'inquiète. Ah, toi aussi, tu live? Ah bah, je savais pas, il faut que je m'abonne en retour. Donc, beau travail avec ces Jaguars, rien d'anormal en ce qui concerne leur habitat, mais leur nombre a considérablement augmenté, je vois. Les Jaguars ne sont pas la seule menace qui plane sur cette région. On a aussi rapporté la présence d'un troupeau de Questodons devenu incontrôlable. L'arrivée du Zora Magdaros a dû bouleverser tout l'écosystème. Très bien, chasseur, je te confie la tâche de trouver les Questodons et d'en réduire le nombre. Je t'accompagne, j'aimerais pas qu'il t'arrive malheur. Alors, vous pouvez partir en quête avec d'autres joueurs, donc en ligne. Et là, il nous demande si on veut activer le chat vocal, pour l'instant non. Que tu as des matériaux, ça te dit d'aller faire un tour à la forge? Oui. Tout à fait. Donc là, on va aller à la forge et on va voir si on peut améliorer notre espadon. Et il y a Fantin qui a posté une quête.
Allez, on va parler au forgeron. Un chasseur de la cinquième. Tu m'as donné l'envie. C'est pas ton genre de jeu. C'est pas ton genre de jeu, haha. Tu m'as donné envie. Par rapport au jeu ? Non, franchement, c'est cool les jeux de chasse. J'aime bien. C'est un peu des jeux, tu sais, fluff, tu sais, que tu peux faire en fond de tâche. Sans rusher le jeu, en fait. Je live du Fortnite. Ah ! Mon dieu, Fortnite. J'ai joué 2-3 fois et. Le Battle Royale, c'est vraiment pas évident quand même. Hein. Alors, vous pouvez utiliser les matériaux, bon, bref. On a compris. Donc là, par exemple, on va regarder ce qu'on peut améliorer. Donc le petit E, c'est évidemment les trucs qu'on a équipés sur nous. Donc là, on va regarder, par exemple, mon espadon, vu que c'est mon arme un peu principale. Et en fait, on va arriver sur un espèce de d'arbre qui va grandir. Tout ça, ce sont des versions d'une épée. Voilà. Vous pouvez avoir les épées de défenseur, vous voyez, qui provoquent des explosions, qui fait des attaques à 624 quand même. C'est énorme. Alors après, il y a des trucs qu'on connaît pas, vous voyez. C'est inconnu. Et en fait, au fur et à mesure qu'on va ramasser les matériaux en se baladant et en tuant des monstres, bah, ça va nous donner des connaissances sur tel ou tel type d'arme. Et du coup c'est pour ça quand je vous disais que c'est complexe. Ouais, c'est complexe quand on vous l'explique à l'oral, mais c'est aussi gratifiant quand vous fabriquez voilà votre première épée un peu stylisée et que ça fait des trous, quoi. Qu'après vous voyez dans les combats et vous dites ah ouais, quand même j'arrive à bombarder un peu, quoi. Donc là par exemple on pourrait améliorer notre espadon de base avec les deux morceaux de fer qu'on a gagné, on passerait de 384 de dégâts à 432. Donc ça c'est plutôt cool et ça nous coûterait 200 zénith. Donc vous voyez, on a 2700 euros. Donc on va le faire. Hop. C'est pour le tuto, hein, de toute façon. Ouais. Voilà, il y a toujours une petite animation que vous pouvez passer. Hein. Et voilà. Donc là, pas de bol. Les deux épées ont la même gueule. Donc là, ça se voit pas. C'est con. Mais par exemple, ici, vous voyez que si je partais d'une épée normale en fer, et que je la fais évoluer en espadon 2, du coup, vous voyez son nom. Ah, ouais, ça c'est en zoomé, mais du coup, comme je suis devant, espadon 1, ensuite vous passez en espadon 2, et ensuite là vous avez 3 possibilités, et on n'a pas encore découvert ce que c'est. Celle-là, on dirait qu'elle fait du poison, vous voyez, élément poison. Donc ça veut dire qu'elle empoisonne les gars à chaque fois que vous touchez. Ça peut être intéressant. Après, je vois qu'il y a de la foudre là, là il y a de la paralysie. Là, il y a de l'explosion. Vous voyez ? Et donc, il y a plein de types. Et là, on est au début de l'arbre. L'arbre, en fait, il est... Il va continuer. Vous voyez, l'arbre, il va continuer de s'étendre. Jusqu'à avoir des versions d'épée, mais complètement what the fuck. Et ça, c'est... Ouais, j'adore ça. Bon. Du coup, on va regarder un truc. Alors, vous pouvez désormais aussi forger les équipements de l'unité des défenseurs de la forge. Ça m'intéresse. Compris. Alors moi, je voudrais justement forger... Je voudrais forger une arme. Je voudrais forger, du coup, une grande épée. Et du coup, celle-là, l'épée des défenseurs. Parce que du coup, là, on a récupéré des os, tout à l'heure. Les os de Wyvern. Donc là, on peut avoir une épée en os. On peut ici refaire une épée, un espadon normal. Bon, nous, ça ne nous sert à rien. Et là, il y a l'épée du défenseur. Qui est quand même, voilà, elle fait 624 de dégâts et elle provoque des explosions. Donc, je suis assez chaud pour ça. Est-ce qu'on a assez? Il nous faut un minerai de fer. Et on en a 4 dans le coffre. Et ça coûte 600 zénith. Allez, on va faire ça. Voilà, du coup, on va l'équiper. Et voilà, on a forgé notre première arme. Et donc c'est pareil, des armures.
Là, donc, il y a l'armure du chasseur. Donc là, vous voyez, nous, on s'est équipé en armure de cuir, pour commencer. Dans notre coffre, on a l'armure en maille, donc là, qui protège plutôt des dégâts de l'eau. Ça, c'est plutôt, ça protège des dégâts de feu. Là, on a découvert l'armure du chasseur, où là, il faut des matériaux de Jagras. Donc là, les bestioles qu'on a tuées juste avant. Et aussi, comme on a commencé à ramasser des os, on vient de découvrir que on pouvait avoir une armure en os et qui, elle, protège des dégâts de dragon, des dégâts de foudre et des dégâts de feu. Donc ça, c'est pas mal quand même. Alors après, il faut faire gaffe parce que jusqu'à un certain type d'armure, là, les premières, ça va. Vous avez pas de malus, mais après, il y a des malus. C'est-à-dire que, prenons celle-là, par exemple, celle-ci, là, vous faites du dégât de feu, enfin, vous êtes résistant au feu, résistant à la foudre et résistant au dragon. Mais par exemple, vous pourriez avoir moins 2 en eau et moins 4 en glace, par exemple. Et donc, si vous tombez, en faisant vos fouilles, sur un monstre qui utilise de la glace, bah, vous feriez défoncer, quoi. Donc, c'est tout l'intérêt, vous voyez, de chasser ses proies, de se préparer, de dire, ok, là, je sors du camp, mais c'est pour buter telle bête. Parce que sinon, je vais me faire fumer, quoi. Donc voilà un petit peu, le délire. Alors du coup, alors on peut les essayer ou pas? On peut pas faire une prévisualisation si. Alors regardez par exemple, oh, les armures sont stylées quand même. Ça aussi c'est un gros kiff dans Monster Hunter, c'est le côté customisation de personnages par exemple qui est très apprécié par la communauté. Parce que votre personnage, il a vraiment une gueule excellente, quoi. Donc là, c'est vrai qu'on est... nous, on a celle-là. Hein. On a l'armure de base. Donc là, maintenant, on va garder défense-feu pour le moment. Mais là, du coup, on va regarder... Moi, je serais tenté de commencer à faire celle-là. Mais on n'a pas encore, vous voyez, la Kestodon, carapace de Kestodon, c'est là l'animal qu'on va aller chercher. Donc on va peut-être trouver des carapaces de Kestodon, et on pourra peut-être commencer à se faire cette armure-là en os. Alors moi j'essaye à chaque fois de toutes les faire. Voilà, quand je sais que je vais buter des Jagras par exemple, je sais que je vais récupérer du matos. Donc celle-là on pourrait commencer d'ailleurs. Alors, qu'est-ce qu'il nous faut le plus? Je sais même pas si on peut pas l'avoir en entier, celle-là. Regardez, on va tester. Allez, je vais passer l'animation. Mais du coup, vous allez voir. On va s'en équiper. Ensuite, on va faire... Non, je pourrais pas l'avoir en entier. Mais c'est pas grave, hein. Vous pouvez être... ne pas être assorti, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas grave, vos pièces d'armure fonctionnent indépendamment. Il vous faut pas le set complet, je veux dire, pour bénéficier de tel ou tel truc. Voilà, donc là on a le haut. Et donc il nous resterait le bas. Ah, c'est des pots de Jagras qu'on a pas assez. Ok. Et voilà. Donc là on a une nouvelle épée, on a deux nouvelles pièces d'armure. Et aussi on peut forger des choses pour le palico. Donc le palico, là, c'est Oreo. Quand vous le voyez pas, il est caché derrière moi. Mais c'est pareil, hein. Avec des minerais de fer, par exemple. Bon, bah là, non, peu importe, on s'en fout, mais je veux dire... Vous pouvez lui choisir des armes. Par exemple, là, vous voyez, ça, c'est... voilà, c'est fort en mêlée, ça, c'est fort à distance. Et donc on peut lui en faire un, ça, Malakit? Ouais. Bah vas-y, on va lui en faire un. Ah, on peut pas? Pourquoi? Point insuffisant. Ah, là, il me faut des points de découverte de... D'accord. Mais après, vous pouvez lui faire une petite armure. Vous voyez, regardez. Bon, c'est assez rigolo, quoi. C'est vraiment marrant, la gueule qu'ils ont fait. Par exemple, comme ça, il est marrant. Voilà. Bon, je vous montre vite fait, hein. Et vous comprenez le... Voilà. Vous comprenez le principe. Allez, c'est parti. On va essayer d'aller... Alors, lui, qu'est-ce qu'il veut, déjà?
L'ingénieur. Alors comme ça, la cinquième est arrivée. Salutations. Je suis l'ingénieur aéronautique de la seconde flotte. Je travaille sur des machines volantes de tout type. Tu te demandes pourquoi tu n'as encore croisé personne de la troisième, n'est-ce pas? Eh bien, c'est parce qu'ils sont coupés du reste du monde. Ça s'est passé à peu près... peu après l'arrivée des érudits de la troisième qui ont insisté pour traverser le grand ravin. Ils ont transformé leur bateau en dirigeable et se sont envolés vers les nuages. La traversée du ravin, s'est bien passée, mais de l'autre côté, le monstre volant les a attaqués et ils se sont écrasés. Certes, ce n'était pas raisonnable de leur part, mais comme c'est moi qui les ai envoyés dans les airs, je me sens un peu responsable. Depuis ce jour-là, je travaille sur un meilleur dirigeable qu'on pourrait utiliser pour leur porter secours. Mais entre le climat hostile du Nouveau Monde et les vents violents qui sillonnent le ravin, toutes mes tentatives ont échoué ici. Cela dit, il est hors de question que je jette l'éponge. Voilà, il y a des petites lignes de dialogue, il y a des petits trucs et tout. Alors là, on va y aller. On va aller taper les questodons. Allez. Donc là, le chef a dit qu'on allait se faire des castodons. Propose de commencer nos recherches du côté de la forêt ancienne. Bonne nouvelle, nous affichons maintenant toutes les pistes que nous allons trouver sur le panneau des quêtes. Tu peux donc t'inscrire aux différentes quêtes directement depuis le tableau au lieu d'avoir à revenir ici. Ceci dit, tu risques de passer à côté de succulents repas. On prend. Peux-tu consulter le panneau des quêtes ? Voilà. La traversée du rabbin, vanne du jour. Ah, je suis désolé. Désolé pour nos amis de confession judaïque, n'est-ce pas? Allez, moi je me mets un peu en mode lowrider. Nouveau contenu disponible au magasin Steam, d'accord. Super. Le festival d'Astera et le festival de la prospérité ouvrent leurs portes. Cool. C'est bon ça? Ah ouais, ça c'est les rangs, les RC. Ah, autant vous dire que le jeu, il y a du contenu, quoi. Je veux dire, il y a de quoi faire. Ne vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Utiliser le bonhomme de neige, former les boules. Ah ouais, mais nous, on n'est pas encore arrivé. Ouais. Ça, on verra ça plus tard. Et oui, parce qu'après après Astera, en fait... Après Astera, ce qu'ils ont fait, c'est que... Enfin, comment dire... Ils ont fait Monster Hunter World et ils ont fait une extension qui s'appelle Iceborne. C'est ce jeu-là, en fait, c'est la fusion des deux. Et du coup, dans Iceborne, en fait, vous avez l'équivalent de ce village, mais dans un univers enneigé. J'y suis jamais allé encore, donc si jamais on poursuit les vidéos parce que ça vous plaît, bah du coup, on ira, on découvrira très certainement du coup, la nouvelle ville. Là, il nous dit qu'on peut utiliser des coupons de chance. Allez, on y va. Là, moi, je pars en solo. Mais donc, c'est bien parce qu'on peut être jusqu'à 4 en multijoueur là-dessus. Donc, c'est assez cool. Allez, on va les suivre. L'herbe pour fabriquer des potions. Ah oui, aussi, il y a un truc de fou, genre dans l'artisanat, vous pouvez activer. Vous voyez, par exemple, là, les potions, les méga potions, elles se fabriquent toutes seules dans mon inventaire. Vous voyez, là, elles sont cochées. Il y a une petite coche. Et bah, du coup, en fait, quand je ramasse de l'herbe, et ben, ça me fabrique des potions. Et quand là, je trouve du miel et des potions, ça me fait des méga potions. Ah, vous voyez, vous pouvez automatiser aussi le crafting pour justement... Alors, du coup... Donc là, on doit abattre 3 questodons mâles et 5 femelles. Voici notre troupeau de questodons. Sont... Voyons de quoi tu es capable. À toi de t'en occuper. Hein. Ça, c'est des aptonautes, ça. Mais ils sont où, les questodons? Il m'a montré quoi, lui? Il y a un truc... Ah, ça, lève-la.
Fais attention. Ça, c'est des questodons. Et les dégâts explosifs sont mortels, hein, par contre. Ah oui, les monstres aussi se battent entre eux des fois. Hein, à cause si on fout le bordel sur leur territoire. Vous voyez, ces jeux de chasse, c'est vraiment lent, quoi. C'est pas... Et Wild Earth, justement, avait l'air d'être beaucoup plus dynamique. Et c'est pour ça que je voulais le tester, et c'est ça qui m'a séduit chez lui. Mais comme il est mal opti, c'était dégueulasse, quoi. Donc là, encore une fois, on se bat contre des petits monstres, hein. C'est quoi les crabes? Ah non, il est pas mort, lui. Allez, on va le looter. Voilà. Très bien. Allez, lui aussi. Trouver un autre groupe. Fais attention. Les questodons seront bientôt le cadet de tes soucis. Oh merde, lui il a disparu. Vous voyez, lui je l'ai pas looté en temps et en heure, bah je suis baisé. Garde les yeux ouverts. Donc en plus vous pouvez perdre votre loot. Je suis dégueu. Et donc là, vous voyez que la mini-map, en fait, elle est en train de se remplir. Elle est en train de se remplir avec les plantes qui sont présentes sur le... Alors, moi, j'aimerais bien trouver des éco-points, surtout, aussi. Alors, est-ce qu'on va trouver des trucs? Donc là, je suis les Navicioles, hein. Par ici. Mais qu'est-ce que c'est beau! Et vous voyez, par rapport à Wild Earth, bon bah ça n'a rien à voir niveau optimisation, quoi. Enfin, je veux dire, on peut tourner la caméra sans que ça fasse... Vous voyez? Ils sont là en bas. Fais attention! La pierre, des herbes... Alors, en plus, on peut pas se cacher. Ils vont se réveiller. Bon là, avec l'épée que j'ai fabriquée, en vrai, c'est... Alors, justement, on va faire un truc, c'est que je vais ramasser et essayer de looter avant que ça disparaisse pour avoir le maximum de composants. Justement, pendant que mon palico les fait chier. Bon là, vous voyez, c'est des petits monstres, hein. C'est rien, là, hein. C'est... Vous allez voir, après, il y en a, ils font des dégâts électriques, ils font des... Ils s'envolent, il y a des dragons, et c'est vraiment la folie, quoi. Aïe. Merde, raté. Ah, cette épée là, c'est à dire, il faut. Voilà, moi je l'adore, mais il faut. Si tu rates, c'est mort. C'est la dèche, quoi. Je crois que j'ai trouvé quelque chose. Donc je comprends, hein, y a des gens qui préfèrent jouer des armes beaucoup plus versatiles et beaucoup plus mobiles. Moi j'aime bien, je sais pas, la lourdeur du truc, je sais pas, j'aime ça. J'aime les gens lourds en fait. J'aime les gens chiants, lourds, pas drôles. Donc, la grande épée me sied à ravir. Comprenez-vous? Alors, Oreo? Regardez, il est là, Oreo. Je vais vous le montrer. Mon kiki! Par ici. Si j'arrive à vous le montrer. Alors, attendez, il faudrait que je... Là. Attendez. Ah voilà, c'est ça qui va nous donner des points, les points verts là. Attendez, je vais vous le montrer, Oreo, il est juste à côté. Vous allez voir la tête qu'il a. Je vais changer ma caméra. Attendez.
Ah, voilà. Donc ça, c'est déjà un monstre un peu plus grand, déjà. C'est un grand Jagras. Allez, allez. Faudrait mieux se débarrasser de lui rapidement. Alors, attendez. Je vous montre, vite fait. Bien, partenaire. On a une nouvelle mission. Il faut éliminer mon petit chou. Si tu dois te préparer, retourne au QG et attelle-toi à cette chasse au grand Jagras plus tard. Non, on va le faire maintenant. Bien. T'inquiète pas. Alors attendez, je change les paramètres de... Voilà. Si tu as besoin ouvre le menu, sélectionne la fusée. Ah merde, j'ai pas cette câble. Tes amis te seront d'un grand regardez, lorsque tu il est là. Des monstres plus coriaces. Oh. Les navicioles peuvent pister un monstre à condition de trouver ça des traces, vraiment. Comme des empreintes. Mmh. Ça c'est Oreo, ça. Vous voyez quand vous l'appelez Oreo, eh ben, il ne vous regarde pas. Regardez. Oh, cette petite tête. Oh. C'est mon petit palicot. Et donc, c'est le frère de Danao. Voilà, maintenant, vous savez tout. Vous connaissez tout de ma vie. Mon numéro de carte bleue est le... Voilà, donc je vais hop repasser comme ça. Et du coup, on va repasser hop sur le live et on va essayer d'aller se faire... La petite Jagras, enfin le grand Jagras du coup. Alors par contre il faut qu'on le cherche. Donc là vous voyez nos navicioles, les trucs vert fluo là, ils vont le focus, c'est-à-dire qu'ils vont chercher pour nous un peu les écofacts, et nous on aura jusqu'à se baisser et à les ramasser. Vous voyez Ah attendez, j'ai oublié un truc. Et vous voyez, il y a une jauge là à droite là, qui est en train de se remplir. Et en fait, une fois qu'on aura rempli un certain niveau de jauge, il semble plus timide que Danao. Ah ouais, carrément. Ouais, ouais, lui c'est le petit pépère tranquille. Hein, faut pas l'embêter. Il aime pas quand il y a du bruit. Il aime pas... non. Ouais, lui, il est plus peinard, quoi. Ça, j'ai pas ramassé ici. Et voilà, c'est là-dessus qu'on trouve les os. Voilà. Allez, on y retourne. Et du coup, ce que je disais, c'est que... Voilà, une fois que vous aurez atteint un certain niveau de d'éco-points, en gros, par rapport à un monstre, bah du coup, ça vous donne... vous saurez directement où ils sont sur la carte, après. Quand vous apparaissez sur la carte, après, vous dites « Ah ouais, bah lui, il est à tel endroit, lui, il est à tel endroit. » Il faut juste les farmer un petit peu, quoi. Bien. On va trouver pas mal d'indices. Voilà. Alors là, qu'est-ce qu'on fait ? On continue. On va continuer de le suivre. Ça peut paraître brouillon, hein, expliqué comme ça, mais... Je pense que vous commencez à comprendre, vous voyez, les petites traces. Et ça fait plus 5 points, et plus 5 points... Voilà, ça on va le ramasser. Bien, on a trouvé assez d'indices pour que les navicioles nous mènent au grand Jagras. Voilà. Je suis d'être bonne soirée. Salut mon Nathan, merci d'être passé mon grand, ça fait plaisir. Un bisou à la famille et bon dodo. Donc là vous voyez sur la carte, les navicioles, maintenant on commence à connaître un peu le, voyez, l'endroit. Alors on a beaucoup été là au début, puis on vient d'aller tuer les Questodons ici. On sait que pour aller, pour retourner au campement, c'est là. Ok, donc là, tout le sud. Et là, on va commencer à traverser des endroits qu'on n'a pas l'habitude. Et donc, il y a une verticalité aussi que j'adore dans ce Monster Hunter. Et c'est pas un truc qu'on voit forcément partout. Là, moi, je continue à ramasser les écofacts. Vous verrez, après, on sera au maximum. Là, petite fleur. Et donc imaginez à plusieurs en groupe et tout, ça peut vraiment être sympa quoi. Il y a un truc là. Ah, c'est la pierre. C'est là la pierre. Ah. Ah regardez, il est là. Utilise la caméra auto pour ne pas perdre le monstre de vue. Là, on ramasse des trucs sur les carcasses, les trucs... Oh putain, il vient sur nous.
Il nous attaque pas? Ok. Après, ouais, il nous connaît pas en vrai. On va le défoncer. Attention, vous êtes prêts? Bon là déjà c'est un plus grand monstre hein déjà voyez et j'aurais dû aiguiser mon épée, voyez je me suis mal préparé déjà. Oh allez allez bouge. Esquive ces attaques. N'oublie pas que tu peux aussi te mettre en garde. On va déjà boire une petite potion. Je vais juste aiguiser un petit peu mon couteau. Ah putain il va m'empêcher de valider. Non c'est bon. Parfait. Et voyez, c'est ça que j'adore, c'est le côté épique. Merde. C'est con qu'on lui ait pas placé. En fait, il faut comprendre les patterns aussi. C'est pour ça que quand je vous dis qu'il y a un truc un peu à la Elden Ring, à la Dark Souls, c'est ça en fait. C'est que les combats sont lents, sont longs. Et il y a aussi ce côté un petit peu... Oula. Voilà, avec son gros bide là. Je crois qu'il... Je sais plus s'il peut nous empoisonner lui. Il est mal en point en tout cas. Raté. Je savais que j'étais un peu loin, je pensais qu'il m'aurait avancé assez dessus. Oh là là, il... Eh, l'épée qu'on a là, elle est... c'est une tuerie. Attention. Donc là, on va les suivre. Merci, merci, mon Nathan. Allez. Donc là, le but, en fait, c'est de pas le perdre. Parce que le problème, c'est que s'il va se planquer, il récupère de la vie, en fait. Donc, voilà le principe de base de chasse. Des jeux de chasse. Vous fouillez, vous trouvez des empreintes, vous trouvez des types de monstres. Et au fur et à mesure, bah, après, vous les faites, quoi. Vous voyez là? Où est-ce qu'il va aller? Je sais pas si vous reconnaissez l'endroit. Ah, bravo! Tu es monté sur le monstre. Profites-en pour le renverser. Merde, enfin, il m'a fait tomber. Allez. On l'a eu? Oh, allez, on le défonce. Maintenant, on charge à bloc. Voilà, c'est qui le patron? Vous avez vu, on lui a retiré 250 de life. Là, il y a un truc à ramasser. Capsule perforante. Ouais. Une puissante munition capable d'endommager l'épaisse couche des mains. Non, 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 non. On l'a eu. Bah on a eu du cul. Hein. Franchement. Il est temps d'aller faire notre rapport au commandant. Il s'est bloqué comme un couillon. Il s'est bloqué comme un couillon au début. Là où... Moi je pensais qu'il serait rentré dans son terrier en fait. C'est le terrier où on est allé tout à l'heure pour chercher les petits. Il y a une espèce de nid dans le fond de ce truc. Et en fait il se met en boule là, il s'endort, il récupère sa vie. Et je pensais que... Voilà, mais comme là je lui ai sauté dessus, j'ai réussi à l'avoir avant qu'il se barre. Donc là on l'a looté le grand Jagras. Là c'est parfait. Alors du coup, je disais... Je trouvais intéressant de pouvoir découvrir ce type de gameplay, donc merci à toi. Mais pour ma part, je reste plus réceptif à des jeux plus simu, type Call of the Wild. Ouais, bah ouais, bien sûr. Non, mais je comprends. C'est vrai que là, il y a un peu du what the fuck du Japon, quoi, hein, clairement. Faut être honnête, hein. Là, c'est plus comme si... c'est plus une espèce de... Pas de simulation, mais de... D'imaginaire, justement. De comme si les humains et les dinosaures avaient vécu ensemble quoi. C'est un peu ça le délire. Et les autres, vous en pensez quoi du coup? Tiens, des plumes.
Des plumes de Kuluyaku, ça. Peut-être que... Bon, allons voir. Qu'est-ce que tu regardes, mon chéri ? Hey. Ouais, il bloque un truc au plafond. Il doit y avoir des fantômes, c'est ça, il y a des fantômes ? Ah, c'est le Pouquet Pouquet. J'en étais sûr. Le Pouquet Pouquet. Lui, il empoisonne. C'est pas le Jagras, c'est lui. Ah. Regardez ça. Bon sang, qu'est-ce que c'est que ce truc ? J'ai jamais rien vu de pareil. Ça vient du Zora Magdaros ? J'aimerais bien le savoir. Le gros dragon là sur lequel on était à l'intro. Là voilà, c'est ça que j'aime bien aussi. Il y a une espèce d'histoire. On essaie de nous raconter des trucs et tout. Je trouve ça cool. Alors, on a mis 13... Putain, là, on a ramassé pas mal de trucs. Hein. Alors, ouais. Propos de Gangéus, récompense de quête. Des sphères d'armure, du miel, des os anciens, des os de wyvern. On va pouvoir faire peut-être le casque en os. Qu'est-ce qu'on a chopé ici ? Ah ouais, le questodon. C'est vrai qu'on a fait les questodons, je suis bête. Récompense bonus. Crinière de Jagras. Sert à de nombreux usages. D'accord, allez, on prend tout. Ouais, là, ça y est, ça commence à monter, là, les récompenses. Vous voyez, niveau de recherche du Jagras, on a une étoile pour le moment sur les trois possibles. Pas trop mon style de jeu non plus. J'aime pas le spam de boutons. Et les commandes type Quick Time Event. Mais c'est sympa à regarder. Ok. J'aimerais envoyer quelques chercheurs sur le champ. Mais pas avec ce Pouquet Pouquet dans les parages, évidemment. Le territoire du Pouquet Pouquet, c'est en plein cœur de la forêt. L'intendance prévoit d'installer un autre camp dans la zone. Ça devrait faciliter les opérations. Essayons de leur donner un coup de main. Allez, on y va. Eh ben, deux secondes, vous allez me laisser respirer. On va partir à la chasse au Pouquet Pouquet. Pouquet Pouquet. Alors d'abord, je vais aller faire un tour chez le forgeron. Réflexe, hein. On va aller voir un petit peu ce qu'on a en proposition. Alors. On a lancé la production d'armures spéciales. Eh oui, tu as bien entendu, la forge peut désormais fabriquer des armures spéciales à la demande. Les armures spéciales se portent par-dessus l'équipement normal. C'est la transmogrifie, hein, comme je fais dans Harry Potter, là, vous savez, quand je choisis visuellement ce que je veux porter. Ça permet de changer de style en un clin d'œil. Accéder à l'écran forgé quand tu auras envie d'un peu de changement. Et puis, il va falloir changer de look coco. Alors du coup, qu'est-ce qu'ils ont ? Armure spéciale. A l'instar des armures spéciales, il est possible de débloquer certaines armures spéciales en optant pour des matériaux spécifiques. Une armure spéciale nécessite à la fois des matériaux et des points de recherche. Les armures spéciales changent uniquement l'apparence de votre chasseur. Ouais. Cool. Alors là, c'est quoi ? Orion ? Le 7 Orion. Alors ça fait... D'accord, c'est vraiment pour la neige, quoi. Je sais pas si vous le voyez, il est derrière. Ouais, c'est marrant. Et là, en accessoire, qu'est-ce qu'ils font, déjà ? Je me souviens plus. Un tigre porte-bonheur. Écarlate. Ça augmente les dégâts d'explosion ? Non. Ça augmente la défense de feu. D'accord, ok. Alors non, on va pas forger une nouvelle arme. Je voulais juste justement regarder pour
améliorer l'arme que j'ai. Alors, qu'est-ce qu'il faut ici? Il faut... Ah, il faut un composant inconnu. Donc, je sais pas encore. Ok. Et là, du coup, les épées en os, on ne sait pas encore. C'est pour ça qu'il va falloir continuer de fouiller. Par contre, forger en armure. Voilà, donc là, on va commencer à avoir d'autres... On va commencer à avoir d'autres armures. Alors là, on ne voit pas, hein, c'est caché. Parce que je connais, j'ai pas assez de connaissances sur les questodons. Voilà, on va avoir l'armure du Jagras. Donc là, vous voyez, c'est ça. C'est une armure qui protège des dégâts physiques. Mais par contre, vous voyez, vous prenez cher en feu, vous prenez cher en eau, vous prenez cher en foudre, vous prenez cher en glace. Il n'y a que contre les dragons où vous récupérez un point de défense. Donc là, intérêt de cette armure, je me suis toujours demandé. Alors du coup, merde, j'ai mal regardé. Alors en os, là c'est vrai qu'en chasseur... Ouais, peau de Jagra, j'en ai pas 1000 non plus, quoi. Là, pour le moment, on va pas rencontrer de dragon tout de suite, hein, donc... on va peut-être continuer ça. Hop. Oui. On va l'équiper, et donc c'est tout. Ok. Et donc après, vous voyez, dans les talents, on peut améliorer les talents de chaque pièce d'armure. Vous voyez, donc là, sur la partie tout au bout, là, le dernier encart, vous avez les dégâts, enfin les résistances au feu, à l'eau et tout. Et en dessous, les talents. Donc là, la tête, on peut améliorer le pistage. La fronde plus. Vous voyez, il y a plusieurs niveaux. Donc c'est tout un bordel, quoi. Voilà, voilà. Est-ce qu'on peut forger des trucs peut-être pour le petit... Non, équipement de Palico. Alors, qu'est-ce qu'on a pour lui? Lui, on a des trucs de Jagras. Pour lui, ça a l'air mieux quand même. Hein. Neige? Mais non. Mais non. Ah, ah, ah. Est-ce que vous voulez que Oreo soit déguisé en bonhomme de neige? En plus, je crois que je peux lui faire en plus là. Par contre, il sera un peu. Voilà, il sera pas trop immunisé contre le feu par contre. Parce que là, ça le protège de 2 de feu. Ouais. Il perd un truc de feu. Et Jagras par contre. Ouais, physique eau et dragon. Mais il perd en feu, en foudre et en glace. Un peu comme nous, quoi. Par contre, je pense que en arme... Ah ouais, la clochette, par contre, elle est vraiment bien. Ça, on va lui en faire une. Vas-y, mon grand. Oui. Voilà. Et Ah, j'ai plus assez de points de... D'accord, de points de recherche verte. D'accord. Ok. Très bien. Alors, on va aller voir l'intendance. On va descendre au marché. Hello, Takei. Comment vas-tu, mon grand? Non, c'est pas elle. L'intendance, c'est là-bas. Ça va, ça va. Plutôt bien. Ben, je peux pas lui parler. Oh, c'est vraiment trop gentil. C'est vrai ce qu'on raconte. Tu vas nous aider à réinstaller un camp. Voilà une excellente nouvelle.
J'espère que tu es aussi, aussi doué qu'on le dit. Si c'est le cas, on aura de quoi t'occuper. Après tout, la commission étudie des tas de choses, et pas uniquement les dragons anciens avec lesquels tu es venu jusqu'ici. Entretenir et améliorer la base est déjà un travail à plein temps. Impossible d'étudier quoi que ce soit sans un QG digne de ce nom. Oui, ça va mieux. Ça va beaucoup mieux. Et une clochette pour la 3 à 1. L'intendance est là pour répartir les tâches et veiller à ce que le travail soit fait. Bien, revenons à nos moufas. Ça doit être les moutons du monde de Monster Hunter. Tu vas devoir établir un camp. Pars en expédition dans la forêt ancienne. Cherche un endroit propice à l'installation du camp et assure-toi que les environs soient sûrs. Si jamais des monstres décident de faire un peu de camping dans le coin, fais les déguerpir. C'est pour ça que c'est beau la science. Tu as tout suivi, alors je compte sur toi. Voilà, donc là c'est pareil, eux ils vont nous demander des trucs à faire, vous allez voir. Donc là en requête, ça va être d'installer un camp. Le camp de la forêt ancienne. Et donc, bah voilà. Du coup, on va aller faire ça. On va reprendre l'ascenseur. L'expédition ne va pas se monter toute seule. Rejoins-moi à la porte. Ah. Alors. Partir en expédition. Voilà. Si tu veux partir en expédition, ouvre la carte du monde et choisis une destination. Pour cette expédition, direction la forêt ancienne. Plus on explorera le nouveau monde et plus on pourra étendre nos expéditions. Une bonne raison de se lancer à l'aventure, non? Partir. Ma chérie. Hop, t'as dit oui. Oui. T'as dit oui. Alors du coup, si vous voyagez vers la zone depuis la carte sans avoir préalablement accepté une quête, vous partirez en expédition. À l'indifférence des quêtes, vous pouvez explorer librement le monde durant les expéditions. Il n'y a aucune limite de temps, il est impossible d'échouer, peu importe le nombre de fois où vous vous évanouissez. Il n'y a ni condition de réussite, ni récompense de complétion, mais vous conserverez les matériaux et les points gagnés. Ça, c'est intéressant. Les monstres quittent la zone au bout d'un certain temps. Bref. On a compris. Cherchons l'endroit pour le camp. Bah ouais, alors. Si j'arrive à l'emplacement du camp en premier, ou si tu te perds, ouvre la carte ou utilise les navicioles pour me retrouver. Alors, je crois que c'est ça, non? Ah non, si chef d'équipe. Si tu quittes le QG sans avoir accepté de quête, tu partiras en expédition. Il n'y a ni limite de temps, ni limite d'évanouissement. Tu peux explorer les lieux aussi longtemps que tu le veux. Bon, ça c'est chiant dans les jeux japonais, c'est qu'ils répètent toujours les trucs mille fois pour être sûr que vous avez bien compris. Bah je sais plus où c'est le... Alors c'est où? Assistante. Les recherches c'est bien, mais seulement le ventre plein. Ah bah il va vous montrer la broche à barbecue. Il suffit de faire dorer la viande pour augmenter ton niveau d'endurance. Bon, je vous l'ai montré tout à l'heure. Sélectionner une quête. Non, bah là, nous on va se promener. Alors, c'est quoi les petits points d'exclamation sur la carte, j'ai pas bien vu. Ah, le roi de la pêche. Et non, c'est pas quelqu'un qui reste sur le trône. Hein. Le linologue. On va aller voir de toute façon. Et des rochers suspendus. Allez, on va aller voir. On va commencer par le roi de la pêche.
empreinte. Est-ce qu'on suit les empreintes? Voilà qui est intéressant. On va le faire ça. À notre retour, il faudra faire part de cette découverte aux membres de l'intendance. Donc là, on sait pas ce que c'est comme bestiole, contracte. Contract. Ah. Ça, c'est un Jagras. Ça, c'est quoi? Ah, une empreinte de on sait pas quoi. C'est une bouse. Ah non, c'est de la pierre, pardon. Bon, on va aller voir le roi de la pêche. Oh, les pauvres M&M's, les pauvres M&M's ça jus pour augmenter sa santé. Quoi? Bah, tu les as sur ton bureau depuis tout à l'heure, t'en as pas pris? Non. Putain, mais taqué. Taqué Fusa, chut. Oui, ça lui donne trop de force et après j'arrive pas à la dominer après. Ça marche, ça sort. Y a vraiment rien de mieux qu'une bonne partie de pêche pour passer la journée. Je suis le petit vénard qui s'est vu confier par la commission l'étude des poissons et autres créatures aquatiques du monde nouveau. La pêche, c'est ma grande passion. Je ne vis que pour ça. La pêche, je pêche même dans mon sommeil. J'avais déjà pêché tous les poissons de tout le vieux monde. Alors quand on m'a proposé un boulot ici, j'ai tout de suite mordu à l'hameçon. Jus Super Saiyan 2. Ouais. Faut pas lui donner trop de sucre. C'est comme les Gremlins aussi, elles se transforment. Mais comme il n'y a pas que le travail dans la vie, je cherche quelqu'un avec qui taquiner le goujon. Qu'est-ce que tu en dis, chasseur? Ça te tente? Fais-moi signe si ça t'intéresse. J'aimerais savoir de quoi tu es capable. On va pas faire de la pêche maintenant, il fait noir. Ouais, donc du coup, hier, j'ai tout remis par défaut. Et j'ai l'impression qu'il y avait, un problème. Hein. Donc là, on est revenu sur du beau, du fluide. J'ai fait du Farming Simulator toute la journée, ça a été impeccable. Là, je suis sur le Monster Hunter. Faudra que je reteste genre Need for Speed et puis par ici. Et puis Dead Space. Bonjour. Des bases saines. Bonjour, je suis chercheur à la commission. Ma spécialité, ce sont les Grimmelkin. Oui, oui. Les Grimmelkin sont des Liniens originaires du Nouveau Monde. J'aimerais tant apprendre leur langue pour communiquer avec eux. Malheureusement, ma carcasse vermoulue m'empêche de les suivre, ces petits chenapans. Peut-être pourrez-vous m'aider. Par mes doigts crochus. Si tu te lançais à leur poursuite, on pourrait les retrouver en moins de temps qu'il faut pour ne dire nia. Alors, qu'en dis-tu? Rendras-tu ce service au vieillard que je suis? Et là, tu le pousses et tu le fais tomber de la falaise. Ah, eh ouais, il est tombé. Alors je sais plus ce que c'est lui, les trucs qu'il cherche, c'est pas des dessins, ouais c'est des sortes de symboles. Ah, genre ça. Voilà, symbole de peinture. Il est possible d'assigner une destination aux navicioles sur la carte. Ah. Alors. Collecte de champignons. Ah, il y a un grand Jagras qui dort là. Bah non. Il a faim. Ou il a soif. Vous voyez là, les Jagras, comme maintenant on a assez d'éco-points sur eux, bah on les voit un peu en temps réel sur la map. Alors
Alors, c'était quoi ça? Collecte de champignons? Ouais, non, mais d'accord, mais attendez, carte du monde, confirmé. Tout affiché. C'est quoi ça? Objet à collecter? Non. Projectile de front? Non. Piège? Non. Faune? C'est quoi ça? Ah ouais, un flash insecte. Les petits monstres, d'accord. Et tout caché. Okay. On peut pas faire ça, non? Si je fais ça, ça fait rien. Confirmé, non. Bon, écoutez, je continue. Ah ouais, le petit champi, là. C'est nouveau, cela. Il semblerait qu'il y ait parfois des petites plateformes, des petits problèmes sur les plateformes de streaming ces derniers temps. Donc, a priori, pas grand-chose à voir avec ton matériel ou setup. Non, bah, ouais, je sais pas. Des fois, c'est vrai que ça vous met le bad, hein. Franchement, vous dites, merde, comment je fais? Après, je me dis, franchement, quand je vois le JDG qui s'est payé une config à 7000 balles pour faire tourner... en super beau, comment pour faire tourner, comment ça s'appelle, le jeu là, Star Citizen, et puis qu'en fait, bah ça rame du cul parce que le jeu il est mal développé, et bon, bah voilà quoi. Ça me rassure quelque part en fait, vous voyez. Non, mais c'est vrai qu'hier soir c'était la panique quoi. J'avais l'impression qu'il y avait rien qui, y avait plus rien qui marchait. C'est quoi ça? Ah ouais, un crapaud qui paralyse. Regardez, Oreo, il est capoute. Il est paralysé. Ça, c'est bon pour défoncer des monstres, ça. Qu'est-ce qu'il a vu, lui? Il te faut des munitions pour ta fronde. Tu vois quelque chose d'utile dans le coin? Il a vu un truc en hauteur. On va aller voir ce que c'est. Il y a des petites bêtes aussi que vous pouvez attraper avec ça. Attendez. Non. 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 Genre ça, par exemple. Vous sortez le filet. Faites ça. Et voilà. Et en fait, ces bêtes, vous pouvez les mettre après en liberté dans votre chambre. Genre, ils sont par terre dans votre chambre et tout, vous pouvez les caresser et tout. C'est trop mignon. En même temps, Star Citizen, il est encore en développement, ça aide pas. Bah oui, c'est ça. Mais tu vois, c'est l'éternel débat entre Antoine Daniel qui dit que c'est un scam total, c'est une arnaque, ce jeu, parce que depuis le temps qu'il est en développement... il devrait avoir des trucs... ça devrait tourner, quoi. Et donc, du coup, c'est pour ça qu'il se fout de la gueule de JTG. Il lui dit, ah, putain, PC à 7000 balles pour faire planter le jeu... Bah, c'est pas normal, quoi. Mais oui, c'est vrai qu'il est encore en développement, après tout, quoi. Donc voilà, le deuxième monstre qu'on a trouvé, c'est l'Anjanat. Et là, je peux vous dire qu'on n'est pas prêt... c'est l'espèce de gros dinosaure rose, là, qu'on a vu au tout début, là. Qui a... Retirer quoi? Hein? Qu'est-ce que j'ai fait? Ah, déséquipé. Ah oui, pardon. Bon, là, il y a du jagras, là, c'est sûr. On peut se les faire, hein, d'ailleurs. Bien. Ah! Bon, vas-y Oreo, pendant ce temps-là, moi, je les fouille un peu. Ils vont où ces connards? D'ailleurs. Ok, ils vont par là. On va les suivre. Même pas certain qu'ils sortent vraiment un jour ce jeu. Bah c'est ça, du coup, tu vois le problème, c'est ça. C'est qu'ils disent que, bah du coup, ça pour le coup, c'est un scam. Tu vois, ce serait une arnaque, quoi. S'ils sortaient pas alors qu'il y a des gens qui ont investi
Je sais plus, JDG, il a investi je sais plus combien. Hein. Je crois qu'il a mis 1500 euros dedans pour acheter des vaisseaux. T'imagines? Alors après, il le fait avec sa boîte ou sur son argent perso, j'en sais rien, mais... Même pas certain qu'il sorte, ouais. Mais du coup, bon... Merde. Pardon. Du coup, on verra bien, mais... Ah oui, j'ai pas de pierre. Moi, je me promène, hein. Je fais un tour. Ça va, c'est pas trop sombre. Ça a l'air d'aller. Ah, il y a des fruits en hauteur, mais j'ai pas de pierre. Dommage. Ah, mais lui, il m'appelle, en fait. Ah, mais j'avais pas... Excusez-moi, hein. Vous voyez, j'ai joué au jeu il y a un moment, quand même. Hein. Collecte de fleurs. Ah, nouvelle fleur. Alors, c'est quoi, ça? Fleur de soleil. Ouais, non, mais Star Citizen, moi, j'ai acheté aussi à l'époque un vaisseau, mais genre un petit truc, hein, un vaisseau à 15 balles, là, ou c'était 20 balles, je sais plus. Mais franchement, je trouve pas ça incroyable, quoi. Et, pareil, j'ai essayé de le réinstaller quand j'avais eu ma config. Bah, en fait, bah, ça ramait, ça laguait de ouf, quoi. Du coup, c'est chaud. Allez, on va essayer d'avancer un petit peu. N'hésitez pas, hein, si vous voulez lancer un sujet ou autre, le jeu peut aussi servir juste de toile de fond, hein, vous le savez, hein. On est ouvert ici. À certains moments, je me dis qu'heureusement que certains n'ont pas connu les problèmes qu'il y avait eu à l'époque, comme sur Duke Nukem Forever, qui était... ah ouais, mais ouais, mais carrément, qui est resté en développement pendant 14 ans. J'ai vu l'autre coup, ça, la jeunesse de ce... De ce projet Duke Nukem Forever, qui a été repris, puis après le moteur graphique il était trop vieux, puis le patron il disait « Ah, je veux ça, et après je veux ça, et après je veux ça !» Et les devs qui en pouvaient plus, quoi, genre, il y a eu plein de changements, il y a eu énormément de changements d'équipe, enfin ça a été un bordel, quoi. Attendez, je vais juste aller voir. Parce que ça, c'est un des nids. Merde. Je suis con. Autant aller sur Elite Dangerous. Bah ouais, c'est clair. D'accord, mais là, y a rien. Là. D'accord. Ah, mais non, c'est pas là, en plus. C'est quoi? Insecte immortel. Je sais même pas ce que ça fait. Il y a la moitié des trucs, je sais pas à quoi ça sert. Oh! Oh, il est pas beau, lui. Ça. Ah, du miel, ça m'intéresse. On va peut-être avoir des méga potions. Oui, méga potions. Mais c'est vrai que les jeux, ouais, c'est... Non, ça met du temps. Et le Driver Gate, tu en as entendu parler? Le Driver Gate pour Driver 3? Non? Parce que Driver 1, ça me dit quelque chose, hein, maintenant que t'en parles, mais j'ai plus la rêve, par contre. J'ai plus la rêve du tout. Alors, on s'approche du camp. Oh, c'est quoi ça? Ton endurance maximum a baissé. Mange un steak à point pour la récupérer complètement. Oh, il est mignon, j'ai envie de le tuer. Ouais, bon, là, il est mort, quoi. Oui, avec la corruption. Ouais, ça me dit quelque chose, hein. Genre, en gros, justement, ça faisait, genre, parallèle avec ce qui se passait dans le jeu, et voilà, mais c'est ça. Ça me dit quelque chose.
maintenant que t'en parles. Alors, c'est pas le bon endroit. La carte est pas évidente aussi des fois pour se repérer. Je crois que c'est par là. Non ? C'est là en haut ? Oh, je sais plus. Non, c'est pas ici. Le deuxième camp. Il est là ou quoi ce con ? Non, c'est pas ici. On est trop haut. Ah, c'est un vrai petit labyrinthe, hein, ce truc. Cette map. Ah, c'est plus haut encore, non. Attendez, il est où l'autre, là ? Il est mignon, j'ai envie de le tuer. Fin 2023. Ah, j'avoue. Oh, il est mignon. J'ai envie de le tuer. Ah, c'est en bas en plus. Je suis bête. Ah, oh, il faut redescendre. Bon. Allez. On va descendre là. Os. Os. Non. Oh, il m'a fait peur. C'est vrai qu'on peut se rattraper. Vous avez vu le réflexe d'activer le grappin au moment où je tombe. Ok, donc là on est redescendu. Oh, il est mignon, j'ai envie de le manger. J'ai envie qu'il meure pour toute la vie. Alors, la carte est un peu difficile à comprendre. Oui, bah arrête de me narguer, toi. Puis alors là, si on tombe nez à nez avec un gros colosse, là, on va être calmé, c'est moi qui vous le dis. Hey. On peut descendre encore ? Bah ouais. Vous avez vu, c'est très, très vertical. Mais sinon, c'est vrai qu'un jeu comme... moi, ça aurait pu m'intéresser, un jeu comme Star Citizen. Mais franchement... Elite Dangerous, alors, je vous avoue, je l'ai. Mais faudrait que je le découvre avec quelqu'un, peut-être. Parce que tout seul, ça me... Je sais pas, j'arrive pas à... Vous savez, à avancer dedans. Pourtant, c'est un principe super, mais... J'ai vu en plus les stats, le nombre de gens, les joueurs, ils ont vraiment pas exploré encore énormément tout le monde qui est prévu et tout. Mais c'est vrai que tout seul, je sais pas, ça m'impressionne en fait comme jeu. Ça m'impressionne par son gigantisme justement. Et ça c'est assez chiant parce que du coup, des fois moi ça m'empêche complètement de découvrir les jeux quoi. Ouais, alors là c'est des... Qu'est-ce qu'il y a ? Ben voilà. Aïe. Esquive leur attaque. N'oublie bah ouais, mais... Tu peux aussi te protéger. T'es gentil, toi. Mais là, tu tapes avec sa cloche, hein. Ryu ! Bam. Bam ! J'aime mieux. En te voyant jouer, ça me donne envie de jouer à un jeu d'aventure. Je vais réinstaller Red Dead Redemption et Stray. Mais... Moi c'est ça, en fait en ce moment vous voyez aussi, si je fais pas non plus trop de TS, tout ça, c'est parce que c'est ça, j'ai besoin d'aventure dans des mondes fantastiques en fait. Parce que je vous dis en ce moment dans ma tête c'est moyen, et donc du coup j'ai besoin de voyager, de beauté, de me prendre pour un samouraï du Japon féodal ou des trucs comme ça, mais vous voyez, c'est débile hein, mais...
Non, on peut passer par là ? Mais non. Mais ouais, c'est un passage secret, bah je me souvenais plus. Mais oui ! Bon bah là on va arriver au nid normalement. Enfin au nid, au camp. Au nid. Au nid ! Comment on fait par contre pour sauter ? Oh ! C'était ça. C'est pareil, genre j'attends aussi Diablo 4. Ça va être la folie, ça. Alors, tu peux toujours te rabattre sur No Man's Sky, qui est sans aucun doute plus accessible. Et il est bien Stray, qui est dans ma wishlist. J'ai jamais sauté le pas. Oh, ça c'est un Kuluyaku. Allez, jette des pots en terre, Kuluyaku. Fonce tête baissée. Ouais, Stray, il paraît que c'est quand même pas mal, quoi. Installer le camp si on ne se débarrasse pas de lui. Vos navicioles peuvent vous guider jusqu'au monstre Grimalkin ou autre objet à récolter. Appuyez sur valise. Ouais, Stray, en fait, je pense que au-delà du gameplay, je pense que ce serait vraiment le... Comment ? Moi, ce serait vraiment un jeu pour l'ambiance, en fait. Pour retourner au QG après une expédition, ouvre la carte du monde et sélectionne Astera. Moi aussi, un jeu que je kiffe, mais que bon, c'est lourd. Faudrait aussi que c'est un truc que je fasse en live. C'est des jeux à partager, je trouve. C'est Stalker, quoi. Stalker Anomaly, donc Stalker Gamma. Voilà quoi, c'est des jeux où j'aimerais bien partager ça avec vous. Bon, c'est vrai que ce qui m'embête, c'est que ça bug un petit peu parce que il y a beaucoup de mods. Et donc, des fois, vous n'êtes pas fait toucher de rien du tout. Et en fait, on vous annonce que vous avez le. Il vous manque un bras. Enfin. Ça, c'est du popo, ça. Le caca, c'est délicieux. Je devrais en mettre sur ma grande épée, ça, par contre. C'est de la bouse de... D'accord, ça c'est des plumes. Ah mais il est là-bas ce con. On va le laisser venir à nous. On va le défoncer. Regardez, hop, je vais me mettre là. S'il me voit pas... Ah bah voilà. Allez, on le défonce. Non ! Ah, j'ai cru qu'il allait se barrer, le salaud. Ah, tu l'as pris dans la poire, celui-là, hein ? Tu l'as pas vu venir, hein ? Ah oui, il va sortir un caillou. Salopard. The Last of Us Part 1 que j'ai fait sur PS3, mais il me tarde de le faire sur PC. Ouais, The Last of Us, je sais pas, je l'ai eu sur PS3, je l'ai pas fini. Du coup, je sais pas si je vais le reprendre. Je sais pas. Mais en tout cas, je regarde la série et dès le début, j'ai vu des trucs qui ressemblaient. Merde. J'ai vu des trucs qui ressemblaient et d'autres trucs qui ressemblaient pas, et ça j'ai kiffé. Allez, vas-y, on le tabasse. Là j'ai bien joué là avec le crapaud là. Oh, il a perdu un écho machin. Capsule perforante. Allez, on va le suivre, on le laisse pas se barrer. Et on va le défoncer. Ah là, il est mal en point.
Mais du coup, ouais, du coup, je sais pas si, si je ferai. Par contre, ouais, non, je vous disais, il y a The Returnal aussi qui est sorti, qui était une exclu PS5. C'est un roguelike, et ça m'intéresse. Ça me plaît beaucoup, ça. Il est où ce connard ? Il dort. Bah il est où ce con ? Il est descendu là ? Ouais. Il va ressortir un caillou pour essayer de nous le balancer. Là, c'est sa dernière phase, à mon avis. Vous voyez, là, il est en fuite. Il en peut plus, en fait. Allez. On le lâche pas. On va pas le lâcher. Fait rater mon dernier coup, c'est dégueulasse. On l'a eu. Sélectionne Astera à partir de la carte du monde pour qu'on puisse rentrer. Ouais bah, d'abord on loot, hein, et puis on déverrouille des trucs. Oulou Yaku. Ouais, pourquoi pas faire A Way Out avec jus en stream. Ouais, c'est vrai, ça pourrait être marrant. Ça pourrait être marrant. En vrai, je sais pas ce que... Vous voyez, genre... j'ai regardé un petit peu, du coup, comment je pouvais améliorer un petit peu, genre, mes streams et... comment dire, bah, déjà ça. J'ai regardé comment améliorer mes streams. Alors, non pas la qualité ou la longueur ou tout ça, mais c'était surtout quoi présenter aux gens, en fait. Et en fait, je m'aperçois, alors après, peut-être que je me trompe, mais que en tant que viewer, les viewers sont plus là pour le streamer, j'ai l'impression, que pour ce qu'il présente. Et là, ce soir, par exemple, bah, ça a un peu confirmé, puisque c'est pas trop votre style de jeu, c'était un peu une découverte. Et en fait, peu importe ce que je vous propose, vous êtes quand même présent, parce que bah, soit vous avez du temps, soit pour... voilà, parce que vous aimez... découvrir des nouveaux trucs et tout, et du coup je trouve ça cool, et du coup je me demandais, est-ce que vous pouvez confirmer ce diagnostic, genre est-ce que c'est vraiment le streamer pour vous qui est le plus important, ou est-ce que c'est vraiment le contenu? Alors attention, quand j'entends contenu, je veux dire, je parle quand je parle du streamer, je veux dire, je parle des gens de, voilà, de notre âge, pas des enfants de 14 ans qui font un live en 480p sur un vieux téléphone pourri, enfin vous voyez ce que je veux dire, quoi. Qu'est-ce que je suis en train de suivre, moi, là, comme bête? C'est quoi le truc, là? Ouais, ici, c'est quoi, ça? On peut remonter, là, en fait? Moi, j'aimerais bien remonter au camp. Du coup, pour l'installer. Ah non, mais il n'y a peut-être pas besoin, en fait, je suis con. Non, il n'y a pas besoin. On va rentrer à Astera. On va rentrer parce que, à mon avis, c'était ça qu'il fallait... Voilà, ouais, c'est ça. Donc, on va arriver au grand pont, à la forge, on va la forge. Du coup, n'hésitez pas à me dire, ouais, comment vous percevez tout ça. Ça m'intéresse. Je trouve ça intéressant. On a récupéré plein de trucs du Kuluyaku.
Et du coup, certainement, les plans pour une nouvelle armure. Prendre toute la récompense, oui. Et des trucs, le palico, ah il a ramassé des os, ben c'est parfait. On n'avait pas récupéré des trucs sur un... Ah bah ben non, peut-être pas alors. Sur un... comment? Sur des questodons? Je croyais... Ah oui, mais je les ai peut-être déjà dans mon inventaire. Bah ouais, si c'est bien présenté, amusant... Etc. Avec une bonne ambiance, on a du plaisir, quel que soit le contenu. Excellent. 75% des streamers que je follow, c'est par rapport à la personnalité de la personne. 25% c'est en rapport avec ce qu'il joue. D'accord, ok. Bah, c'est super intéressant d'avoir vos retours là-dessus. Parce que c'est vrai que moi, des fois, je sais pas trop, voilà quoi. Comment me positionner, vous voyez. Alors, nous venons tout juste de l'aménager. Tu peux t'en servir comme bon te semble. D'accord. Et de temps en temps, il faudra faire des trucs. Voilà, le camp. Le nouveau camp est installé. C'est parfait. Du coup, je voulais aller à la forge, mais du coup, il m'a TP ici de force pour finir la quête. On va aller voir un peu... On va faire un tour à la forge. Forge. Maintenant, j'y pense. Tu t'en sers de ce grappin, chasseur ? Ta fronde est bien plus simple, bien plus qu'un simple lance-pierre maintenant. Il n'y a pas mieux pour attaquer un monstre de front et, le et de prendre le dessus. Accroche-toi à la proie. C'est vrai que je pense jamais à faire ça. Pour lui mettre une bonne raclée. Tu devrais essayer. Je suis sûr qu'il y a une quête pour s'entraîner au maniement du grappin. La voilà, c'est la quête libre 1. Elle s'appelle Tout Nouveau, Tout Beau. D'accord. Tu devrais essayer à l'occasion. Ok. J'irai faire un tour. Chasseur de la cinquième. Qu'est-ce que nous allons marteler aujourd'hui? On va regarder les armures. Ouais, c'est ça. Maintenant, il y a le Kuluyaku. Kuluyaku. Donc là, c'est pas bon en défense de l'eau. Par contre, c'est bon en défense physique. Et ça défend un peu sur la glace. On va juste voir la gueule pour voir. Et il va t'habiller comme... Attendez. J'aurais dû faire ça depuis le début, mais... Pour pas vous gâcher la mini-carte, mais en fait, vous vous en foutez de la mini-carte. Vous avez pas à vous repérer. Alors, est-ce qu'on peut encore améliorer le truc du chasseur? Non. Par contre, pour les os, à mon avis, on doit pouvoir commencer à avoir de quoi. Défense physique. Les questodons, par contre, on n'a pas grand-chose. Et le coulou, on a dit, ouais... Alors, on os. Vous savez quoi? On va se faire... Alors attendez. Là je remets comme on est équipé. On va se faire les gants. Ouais, on va se faire les gants, le bas. Oui. Et la plupart des streams que je regarde, il y a entre eux 300 et 500 au-delà de l'impression que je ne peux pas interagir avec le streamer. Attends, j'ai pas compris taquet. Et la plupart des streams que je regarde, il y a... D'accord, il y a entre 300... D'accord, 300 et 500 viewers au-delà de l'impression que je ne peux pas interagir avec le streamer. Ah, d'accord, oui, ça te donne l'impression. Ouais, je comprends. Ah ouais, évidemment, forcément, plus il y a de monde, plus pour le streamer, c'est difficile d'interagir, parce que bah, y a beaucoup de choses à gérer, à ne serait-ce qu'à l'écran, ou voilà, quoi. Ouais, je comprends. Ouais, c'est logique.
Et du coup, en fait, je vous ai pas dit, mais ça y est, j'ai rempli toutes les conditions pour devenir affilié, les amis. C'est-à-dire que, comme sur YouTube, je suis enfin affilié et je suis en route sur la voie du partenaire. Donc, bah voilà, je suis content. Alors, on va faire ça et on va faire ça. Il nous manquera plus que la coiffe. Et on va faire ça, et on est bon. Bientôt les emotes. Ouais, alors moi j'y connais pas grand chose en vrai. Je suis un peu débutant hein, dans le truc. Mais du coup c'est quoi exactement les emotes? Enfin je vois c'est des petites emotes comme ça rigolotes. Mais c'est quoi la différence, les emotes? Ah c'est moi qui pourrais choisir un catalogue d'emotes, c'est ça? Oh putain il a la classe eh. Et on va regarder pour voir si on peut améliorer notre arme. Alors, ce qu'on a sur nous, c'est ça. Ah, c'est toujours pas le matériau inconnu qui nous manque. Hein. Et je voudrais faire ça. Là, c'est pareil, matériau inconnu. Ah ouais, celle-là, putain, elle passera à 528 de dégâts, d'accord. Et celle-là, en poison. Ah, on n'a pas encore. Je pense que c'est quand on aura tué le Pouké Pouké, ça. Vous savez, le gros oiseau... le gros oiseau vert et bleu, là, qui balance des... Voilà. Des boulettes. L'épée de l'eau. Ok. Donc là, on va reprendre... Non, bah c'est bon. Ouais, équipement du palico, on va regarder si on peut lui faire un petit truc. Petit ensemble. Alors lui il a pris le truc de la neige, la cloche pour arme, parce qu'elle est balèze. Et du coup, en vrai, ouais. J'ai l'impression que c'est ça les meilleurs trucs. Bah vas-y, moi je le déguise en bonhomme de neige, hein, rien à foutre. Mon petit Oreo, mon petit chachou. Alors. En contrepartie d'un abonnement... Ah ouais, tu pourras créer tes propres emotes. En contrepartie d'un abonnement, personnaliser tes emotes web. Ouais. Ah ouais, donc c'est forcément en contrepartie d'un abonnement, c'est ça? Genre un abonnement Prime. Donc ça marche comment? Parce que j'ai reçu le mail tout à l'heure, genre, vous pouvez désormais maintenant engager le processus d'affiliation. Donc je vais le faire, je vais m'en occuper demain, je pense. Et parce que je sais que ça prend quelques jours, hein, normal. Oh, il est mignon. Et mais du coup, ça marche comment? Genre, par exemple, vous, en tant que viewer, vous avez un abo Prime gratuit que vous pouvez offrir à quelqu'un, c'est ça? Ah, ou alors après, vous pouvez multiplier le nombre d'abos. C'est ça, des fois, quand je vois machin a offert tant de subs. Mais en vrai, moi, je comprends pas. Genre, si par exemple, le mec, il dit, je sais pas, il met. On va dire c'est 4 euros, 6 x 4, 24. Si le mec met 24 euros, il a offert 6 subs, quoi, c'est ça? C'est ça le truc, parce que moi je suis vraiment novice, hein, les gars. Le streaming, je n'y connais rien. Et comme je suis pas un viewer, je préfère faire plutôt que regarder. Et du coup, c'est vrai que moi je suis toujours de l'autre côté de la ligne, et du coup, je suis perdu. Je suis perdu. Alors, nouvelle quête. Ça, c'est les quêtes qu'on a fait. Les quêtes libres. Ah, lui, c'est avec le grappin, là. Une herbe plus verte, complétée. Alors, c'est quoi? Tout nouveau, tout beau. Temps imparti, c'est croulé 3 fois. Grange à grâce chassée. Qu'est-ce qu'il faut faire? Le grappin est une nouvelle fonctionnalité de la fronde. Le nouveau monde recèle de nombreux dangers. La meilleure chose à faire est d'apprendre à manier ce nouvel outil. Apprendre à manier le grappin. Mais on l'a pas fait, ça, déjà? Ah bah si, on peut le faire. Hein. Un joueur, mot de passe, non. Accepter la quête. Voilà. Ouais, par exemple, demain, je peux m'abonner. Soit je mets 3,99€ de ma poche, ou mon Prime, ouais. Et je peux aussi faire des abonnements cadeaux. Donc, offrir des abonnements à la communauté. D'accord. Ah, c'est intéressant, ça. Et du coup, sans... Enfin, je veux dire, sans rentrer dans les détails, vous êtes abonné à...
à beaucoup de gens? Est-ce que vous le faites est-ce que vous le faites pour soutenir le mec? Est-ce que vous le faites parce que vraiment je sais pas, vous dites que bah le mec il mérite, ou parce que vous savez qu'il vit de ça, ou comment vous représentez le truc? Alors le grappin, bah ça on a vu un peu le grappin. On va essayer de se le faire. Hein. Et raccourci. Ah ouais, le menu radial. Ouais, d'accord. Bon, passons en revue le maintien du grappin. Je te fais un cours accéléré. Ah bah ici c'est le truc que d'accord. Utilise ton grappin avec l'arme rangée. Ah, et où? J'utilise où? Voilà, bien joué. Ok. Tu peux aussi utiliser ton grappin avec l'arme sortie. Ah. Dégaine ton arme, puis lance ton grappin. Voilà, bien joué. Ah, c'est bien ça. Chaque arme se manie différemment. Entraîne-toi sérieusement pour connaître leurs qualités et leurs faiblesses. On continue. Et je peux faire aussi des abonnements cadeaux, donc d'accord. Ah oui, et il y a trois types d'abos. Tier 1, tier 2 et tier 3. Et c'est quoi la différence alors? Le type d'attaque dépend de l'arme dont tu es équipé. L'arme que tu utilises rend la peau des monstres moins résistante. Avant de continuer, un peu de théorie. C'est important, alors écoute bien. D'accord. Si le monstre bouge pendant que tu t'accroches à lui, tu auras plus de mal à porter tes coups. Attaque le monstre pour l'affaiblir. D'accord. Quand il est sans défense, frappe de toutes tes forces. Bien, passons à la pratique. Mon dieu. Ah! Je vous attendais, jeune homme. Vous n'êtes pas pour me ragaillardir, hein? Observe bien les mouvements du monstre avant de passer à l'attaque. Ah, mon perso, il est fatigué. Voilà. Ah, la musique, c'est... comment? La musique, c'est... saut. Quand il est sans défense, frappe de toutes tes forces. Le monstre s'est arrêté. Ton grappin. Merde. Raté une bonne occasion, mais t'en fais pas. Attends la prochaine ouverture pour attaquer. Merde, non, je me trompe de touche. J'avais vu des pierres là tout à l'heure. Là. D'accord. Ne te précipite pas. Ah. Le monstre soit à terre. Ah oui, je me trompe. Hein. Allez, bouge. C'est un échec. Bien. Maintenant, utilise ton arme. D'accord. Ah ouais, c'est quand même bien ça. Ça, je connaissais pas cette mécanique. Ça vient de Iceborne, justement. Les attaques gagneront en efficacité si tu vises un endroit où la peau est abîmée. Si jamais la peau épaisse d'un monstre te pose problème, tu sais ce qu'il te reste à faire. On continue. Attendez, je vais lire après. Hein. Bon, maintenant, essaie de frapper la tête du monstre quand tu t'accroches à lui. Les parties du corps où tu peux t'accrocher dépendent du monstre. D'accord. Tu peux te déplacer vers d'autres parties du monstre quand tu t'accroches à lui. Oui. Et fais attention à ton endurance. Vérifie bien la direction quand tu te diriges vers une certaine partie du corps. Tu auras besoin de munitions. Va en chercher pour te constituer une réserve. Attaque le monstre pour l'affaiblir. Les tirs 2 et 3 peuvent sans défense, frappe de toutes tes peuvent avoir des... Alors attends, c'est 13,99. Non, ah ouais, c'est ça. 3,99, 7,99, 19,99. Les tirs 2 et 3 peuvent avoir des emotes exclusifs et les tirs 1 n'auront pas. Les 100 et 100 abonnements cadeaux est équivalent à 3,99. 100 abonnements cadeaux. Ça, je sais pas trop... Parce que c'est pareil, j'ai vu qu'il y avait des bits aussi sur Twitch. Et du coup, c'est pareil, c'est une espèce de monnaie alternative, on est d'accord? Non. Utilise ta fronde, maintenant. Ben ouais, mais... Attaque le monstre pour l'affaiblir.
Quand il est sans défense, frappe de toutes tes forces. Mode tir. Attendez. Putain, je suis en train de me mélanger les saucisses là. Non. Bouge. Allez, vas-y, on va la faire bien un peu. Ton grappin. Casse la tête et reste en mouvement pour éviter que ta proie se libère. Surveille ton endurance. En t'accrochant à un monstre, tu t'épuiseras en un rien de temps. D'accord. Passer au grappin. Ah, d'accord. Non. Non. Attaque le monstre pour l'affaiblir. Putain, je me suis trompé de touche. De toutes tes forces. Ah. Voilà. D'accord. Bah dis donc, hein. Cette attaque utilise toutes les munitions d'un coup, mais elle peut renverser les monstres. On continue. Alors, du voyons coup, un peu comment attaquer à l'aide du grappin. C'est la monnaie Twitch en quelque sorte. Utilise cette attaque. D'accord. Quand tu t'accroches à la tête du monstre. 100 bits, d'accord. Attaque okay. Le monstre pour l'affaiblir. Quand il est sans défense, frappe de toutes tes forces. Une attaque avec le grappin. Et du coup, ouais, bah je sais pas pour les emotes, je sais pas encore comment je vais choisir ou quoi. Je pense que je vais prendre un pack peut-être tout fait. Et puis on verra bien. Lance ton grappin pour forcer le monstre à changer de trajectoire. Attaque le monstre pour l'affaiblir. Quand il est sans défense, frappe de toutes tes forces. Vise la tête et reste en mouvement pour éviter que ta proie se libère. Une attaque avec le grappin. Ton grappin. T'as raté une bonne occasion, mais t'en fais pas. Voilà, bien joué. C'est un peu brouillon quand même, mais admettons. D'accord. Cette technique utilise beaucoup d'endurance. Elle te permet de forcer le monstre à changer de direction coup sur coup. Oula, on dirait que le monstre est en rogne. Finis-le. Si un monstre est enragé, tu ne peux pas le renverser ou le forcer à changer de trajectoire. Mais là, il est enragé moins. Quel monstre peut devenir très dangereux s'il se déchaîne. Reste sur tes gardes. Si en colère, les monstres sont bien plus agressifs. Il faut mieux rester en retrait pendant un moment. D'accord. Comme là, par exemple. On dirait qu'il s'est calmé. On continue. Bon, c'est chiant ça, c'est un tuto nul. En pratique ce que tu as appris jusqu'à présent. Pousser le monstre sur un mur. Tu vas te servir de l'environnement. Ok. Tire avec la fronde quand tu t'accroches à la tête du monstre pour le projeter contre un mur. Tire avec la fronde. Meilleure chance pour infliger beaucoup de dégâts. Allez, c'est l'occasion de frapper un grand coup. Ah oui, ça y est, je comprends. Ça y est, je viens de comprendre. D'accord. T'accrochant un monstre, tu t'épuiseras en un rien de temps. Ah là, je vais... D'accord. Pas évident, hein. Ah, je prends ma petite canette. Non. Excellent. Voilà. Ah, ça marche bien, effectivement. Toujours un œil sur ton environnement. Et maintenant, on le défonce. Utilisez à ton avantage lorsque tu chasses. C'est du bon travail. Je crois qu'on a fait le tour. L'action est terminée. Raté. Bon, c'était bien. Et du coup aussi, est-ce que vous pensez que les gens s'abonnent plus facilement genre sur Twitch que sur YouTube, par exemple, ou pas? Ou ça n'a rien à voir? Est-ce que vous, par exemple, vous êtes abonné plus à des mecs qui Twitch ou à des
ou à des mecs qui YouTube. Ah, c'est bien, on a récupéré des trucs. Trop cool. Et donc du coup, tu disais, ouais, pour les émotes, tu peux faire aussi en rapport au jeu auquel tu joues. Genre ETS, tu peux faire une emote de la Fever Transport. Ah ouais. Jamais été abonné sur YouTube. D'accord. Oui, carrément, je pense. D'accord. Et pourquoi ? Parce qu'avec Twitch, vous avez cet échange. En fait, c'est ça que moi, je suis en train de commencer à remarquer. Parce que là, ça fait quoi ? Ça fait une semaine à peu près que vraiment, là, je me lance vraiment sur Twitch en mode, bon, allez, je vais essayer de faire des lives réguliers et tout. Et en fait, je m'aperçois qu'en fait, à chaque fois que j'ai un nouveau viewer qui s'abonne, en fait, j'échange tout de suite avec lui. Donc, il voit que je lui parle et qu'on est en interaction. Genre aujourd'hui, cet après-midi, je sais plus, il y avait Is No Good, il y en a eu plusieurs en plus. Donc du coup, à chaque fois, c'est cool. Il y avait Pastaga, il s'abonnait il y a deux, trois jours. Bon bah du coup, il revient, et du coup, on échange. Quand je le vois, je suis ah bah ça va Pastaga et tout. Pourtant, je le connais pas du tout, mais du coup, c'est cool. En fait, on interagit tellement instantanément que ça crée une relation, en fait, tout simplement, peut-être plus vrai, quoi, peut-être plus... je veux dire, je parle pour nous, sur des petites communautés, quoi. Hein, je parle pas de, comme tu dis, si tu vas sur un stream où il y a 500 personnes et que c'est impossible de connaître tout le monde et tout à fond, mais... voilà, il y a des gens qui te marquent plus que d'autres, quoi. Forcément, aussi. Pour une raison, sur YouTube, tu peux pas mettre un message que le streamer verra à coup sûr. C'est vrai, ça. C'est vrai qu'il n'y a pas de ça, et moi, c'est vrai que, genre, c'est pareil, je trouvais pareil les contreparties, pas du tout, je savais pas quoi faire en contrepartie, quoi. Genre, en gros, j'ai fait des emotes, j'ai fait des petits trucs, hein, mais en vrai, comme on n'interagissait pas forcément dans le chat et tout, enfin, c'était pas... Ça, je l'avais dès le début. Meilleure interaction sur Twitch. Ouais. Ah ouais, c'est clair, hein. C'est vraiment... ça n'a rien à voir, quoi. Content de te voir. Ah, chasseur, comme ta fidélité n'est plus approuvée, j'aurais un petit service à te demander. Mais vous avez pas des autres potes à demander, des trucs à qui demander? Lorsque tu t'attaques à un monstre imposant, tu as le choix entre le tuer et les capturer. Bien sûr, chaque méthode présente un certain intérêt d'un point de vue scientifique, mais très franchement, il est préférable pour nous d'avoir à disposition des spécimens vivants qui nous seraient ensuite possible de relâcher dans la nature. En conséquence, si tu nous ramènes des proies en vie, tu recevras de meilleures récompenses et le règlement de la commission. Qu'en penses-tu ? Capture tes proies au lieu de les tuer et tu contribueras grandement au progrès de la science. Ça, c'est cool. Ouais, c'est pour ça que du coup, je... là à la fin de mes vidéos ETS, j'en avais marre parce que je parlais avec personne, je parlais avec moi-même. Je décrivais juste ce que je faisais. Donc comme j'avais pas les réactions des gens en direct, bah en fait, on avait cette espèce de décalage dans le temps qui fait que, ben, après, ça s'épuise et on passe à autre chose, quoi. Ce qui est logique, en fait, c'est un problème de temporalité, quoi. Tu fais partie de la cinquième flotte, c'est ça? Alors tu dois avoir fini ta première quête. Bienvenue aux archives écologiques. C'est moi qui en suis le responsable. As-tu trouvé des traces de monstres, des marques de griffures, ou encore ce genre de choses? Ces données nous racontent l'histoire des monstres. Une histoire souvent aussi complexe que passionnante. Ton rôle au sein de l'équipe de terrain est de traquer les monstres, de récupérer des données et de faire progresser les études en cours. La nôtre consiste à réunir ces informations, les analyser et à faire une synthèse de nos découvertes pour la commission. Ce que nous apprenons te sera ensuite utile sur le terrain, nous avons donc besoin les uns des autres. Repasse pour voir quand tu vois et je te montrerai sur quoi nous travaillons en ce moment. Oui, qu'y a-t-il ? Bestiaire mise à jour. Ah, j'aurais dû aller le voir tout de suite, lui. Bon, bah c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. Hein. La dracologie. Bon, c'est vrai que le Jagras, on commence un peu à le connaître, quoi. Kulu Yaku, pas tant que ça, effectivement. Le Pouquet, pas du tout.
Langjanat, pas trop trop non plus, un petit peu mais pas beaucoup. Et du coup après c'est bien parce que quand on regarde le bestiaire, vous voyez après on sait voilà où les points faibles, les points forts des armes, du coup, et les éléments aussi. Le feu par exemple pour les grands jagras, ça les fait chier. L'eau par contre, ils en ont rien à carrer, ça leur fait rien du tout. Et par contre ils ont l'air sensibles aux afflictions, poisson, sommeil, paralysie, tout ça. Une crinière de jagras, voilà, grand griffe, ah, c'est vraiment intéressant. Et j'adore aussi du coup les dessins, c'est bête, mais j'adore l'univers graphique de ce jeu. La tête est brisable. Pouke pouke. Ouais, lui par exemple, j'ai un terrain préparé parce qu'avec ces trucs de poison et tout, c'est l'enfer. Alors, les jeux comme ETS en solo, si tu n'as pas d'interaction avec quelqu'un ou des viewers quand tu fais des vidéos, tu as vite fait le tour. Bah oui, c'est exactement ça. C'est comme quand je fais mon métier, quoi. Quand tu roules et que tu fais, tu fais ta journée, en gros, bah t'écoutes la radio et tout, et si t'as pas zéro interaction, bah, en général, t'en profites pour appeler ta famille, pour tout ça. Parce que sinon, tu te fais chier, quoi, clairement. À fond, à fond. Non, puis même, moi, je suis quelqu'un qui parle facilement, donc en fait, j'ai tout intérêt à être sur le côté interactif. Cette tâche a pour but de nous réapprovisionner en méga potions. Un chasseur de ton calibre sait à quel point les objets sont importants lors des quêtes. Nous n'avons presque plus, donc ce serait bien que quelqu'un nous aide à reconstituer notre stock. Et puis, ça me fait pas mal de revoir les balles d'artisanat de temps en temps. Alors, sois sympa, donne-nous un coup de main, d'accord? Nous comptons sur toi. Il leur faut une méga potion. Bah quoi, ils en veulent? Merci. Merci. Les érudits en mission dans la forêt ont désormais un camp dans lequel se reposer. Bravo, bravo. Bien, jetons un œil à ces résultats. Ok. Nouvelle requête spéciale découverte. D'accord. Ah, je me souvenais plus que ça se débloquait comme ça. Urgent, non, mais spécial. D'accord, science naturelle. Sphère d'armure insérée, ticket hiver. 2000 points de recherche, sphère d'armure royale, compléter toutes les quêtes spéciales. Il y en a, on sait pas ce que c'est. Ok. Les contrats. Ah, voilà. Vous pouvez obtenir de nombreux contrats en trouvant des écofacts de monstres, en récoltant des matériaux, en tuant des monstres, etc. L'objectif du contrat dépend de la région dans laquelle vous l'avez débloqué. Les contrats vous offrent de meilleures récompenses que les quêtes classiques, mais sont plus difficiles. Vous devrez, par exemple, chasser plusieurs monstres en même temps. Donc ça, c'est pareil. Genre, si vous n'avez pas l'équipement adapté entre les deux monstres, ben, faut faire un choix, quoi. Donc ça peut être chaud. Attention, vous avez un nombre limité d'essais pour compléter chaque contrat. Mmh. Pour remplir un contrat, vous devez d'abord l'enregistrer à l'intendance via le menu des contrats. C'est vrai qu'il y a beaucoup de menus. Alors ça veut dire quoi ça, spécial? Ça c'est des bonus de... Non. Mort ou vif, grand jagras. J'aurais pu le faire déjà. Forêt ancienne, RC2 ou plus. C'est les rangs de contrat, quoi. Et les livraisons. Lorsque vous complétez les livraisons requises par l'intendance, vous pouvez obtenir de nouveaux ingrédients pour la cantine ou améliorer les différentes installations d'Astera. Ça, c'est pareil, c'est nouveau, ça. Sacré coup de pouce. La chasse, c'est aussi l'artisanat. Mélange du miel à une potion et tu obtiendras une méga potion. Qu'est-ce que tu attends? Essaie. Bah ouais, bah. Vas-y, prends. Ok. J'ai reçu de la viande. Bah franchement, ils s'emmerdent pas, eux. Hein.
Et on peut pas faire justement. Tranquillisant. Bombe à baril, bombe artifice. Bombe poison, capsule aveuglante, capsule sonore, capsule de bouse. Ça, je suis sûr que ça vous plairait, ça. Hein? Petite capsule de bouse, bien comme il faut. Capsule de poison. Champignon vénéneux. Oh! Mon Pouggy, il est là! Oh, il est beau! Si un Pouggy apparaît au-dessus. Hein? Si un Schlink apparaît au-dessus de la tête de votre Pouggy, appuyez sur rond. Oui! On a câliné Pouggy! Alors. Pouggy semble avoir flairé un trésor. Prenez de l'en dans les bras et essayez de le déposer à plusieurs endroits. S'il a suffisamment d'affection pour vous, il vous fera peut-être des découvertes intéressantes. Les Pouggy raffolent des câlins. Essayez de caresser votre Pouggy en rythme avec la musique pour gagner son affection. Si vous y mettez du cœur, votre pourri sera conquis. Votre Pouggy, pardon, pas votre pourri, sera conquis. Et changera d'attitude envers vous. On va déjà changer tes habits, mon petit Pouggy. Alors, les rayures, moi je trouve ça mignon. Par contre, les couleurs. Moi, pour moi, Pouggy, tu es une petite guêpe. Hop. Voilà. Ça, pour moi, c'est un vrai Pouggy. Renommé. On va l'appeler. Ah, oh, j'ai mal au cul. Comment on va l'appeler? Maurice. Non. Bernard. Non. Quoi, un cochon? Comment on peut l'appeler? Elle a changé Maya. Et la chose qui est bien sur Twitch, c'est que tu peux raid d'autres streamers que tu aimes ou pas, que ce soit pour te faire connaître sur la plateforme ou même pour le soutenir. Ouais, c'est vrai ça. J'ai jamais essayé encore. Comment on va l'appeler ? Marcel ! Allez. Selmar. Quel beau gosse. Confirmez ce nom. Bien, on va le porter pour voir. On va l'emmener... Eh ben, il y a un truc ici, hein. Il saute. Là, il saute dans mes bras. Reposer. Allez, fouille un peu dans le bazar de l'autre con, là. Regardez, il creuse. Ben voilà! Il nous a trouvé des baies de soins. Oh, il est trop mignon. Un œuf d'argent? Œuf d'argent, une grande valeur, mais inutile pour un chasseur. C'est un objet à vendre. Cool. Ben, on va le vendre. De quoi t'as besoin? Alors, vendre... depuis la sacoche ou le coffre? Non, ça doit être le coffre. Un œuf d'argent. Oh putain, j'en ai 6. Mais non. Ah non, bonhomme de neige. Ah bah je l'ai pas alors. Ah ça doit être ça. Œuf d'argent. Ah 10 000. Ça vaut 10 000 euros. Enfin 10 000 zénith. C'est ouf. J'ai 13 000 balles. Trop bien. Et du coup qu'est-ce qu'il propose lui vers la sacoche? Ouais. De pièges, un outil pour fabriquer différents pièges comme les pièges à fosse. Je me souviens plus comment ça marche tout ça. Vous permettre de regarder au loin, ça a précédé. Voilà.
Boomerang, un projectile étrange d'origine aborigène qui, une fois lancé, revient vers son utilisateur. Ouais. Ça, je me souviens plus. Il en a que deux sur lui ? D'accord. Ah non, on peut en acheter que deux. Je me souviens plus comment ça marche. Bah vous savez quoi, moi je pense que je vais arrêter là parce que je suis un peu fatigué, je vous avoue. On va peut-être juste aller voir encore lui là-bas là. Ah bah c'est le fils de le chef d'équipe. Alors chasseur, est-ce que tout se passe bien? Si jamais tu as des soucis sur le terrain, n'hésite pas à utiliser les fusées de détresse. Vous voyez, on est toujours un peu dans le tuto, quoi. D'autres membres de la zone viendront peut-être à ta rescousse s'ils la voient. N'hésite pas à demander de l'aide et tâche de rendre l'appareil quand les autres ont des ennuis. Tu seras alors un chasseur digne de ce nom. Réo, déguisé en... Avec l'autre Pookie qui nous suit. Marcel. Vas-y, on va le câliner encore un peu. On a perdu Sterna sur Stray. À fond. Sterna, il est en train d'utiliser toute sa bande passante pour... Il nous a mis en 240p pour pouvoir télécharger Stray. Alors, où est-ce qu'on pourrait poser Marcel? Par ici, peut-être? Non? Ah, ou à l'étage? Non, livraison pour la Fever Transport sur ATS. Ah! Quel mytho, regarde son Steam, il fait des montées, des descentes de... Il fait des pics de téléchargement de package. Ici il saute pas trop, hein, Pouilly. Qu'est-ce qu'il dit lui? Ça bosse dur. Alors ça bosse dur. Quoi? Pourquoi est-ce que je ronchonne? C'est parce que le cuistot m'a demandé d'aller chercher des ingrédients. Mais j'ai pas encore fini de manger moi. Quoi, vraiment? Tu irais chercher les ingrédients pour moi? Merci, tu me sauves la vie. Entre membres de la 5ème, on doit se serrer les coudes, pas vrai? Allez, bonne chance. Quel salaud. La peau... Mosswin. Je sais pas ce que c'est. Ah bah si, bah on en a une. Bah voilà. C'est lui qui la veut, le chef? Ah oui, bah c'est l'espèce de petit cochon, là. Le petit cochon où j'ai dit justement... Oh, il est mignon, j'ai envie de le tuer. Apporter 20 champignons délicats. Et je l'ai là, le truc Mosswin là. Bon. Ils en veulent pas. Les palicots qui font la bouffe, c'est trop drôle. Je me souviens plus ce que c'est là-bas. Ah, le grand pont, c'est le truc... Le hub multi. Et du coup, je pense que c'est là où il y a la fête de l'hiver et tout ça. Vous savez, les tickets là que j'ai eu. Ouais, c'est ça. C'est la fête de l'hiver. Non, mais c'est bien. Je pense qu'on aura fait un bon tour. Hein, 3 heures, encore une fois. Je pense que c'est pas mal. Tout le personnel de la poursuite céleste portera exceptionnellement des tenues hautes en couleur pour fêter l'arrivée de l'hiver. Parlez au chambellan puis sélectionnez la tenue de l'assistante. D'accord. Votre Pookie peut également changer de tenue même après la fin du festival. Visitez le panneau. D'accord.
Ah, il y a des soldes au magasin, d'accord. Ok. Ah, c'est stylé hein, comme fringue. Merci. Bon, voilà les amis. On va s'arrêter là. Ah, il y a un mode photo aussi, je crois. Si je ne m'abuse. Non ? Mode photo. Regardez-moi ça. Comment on fait pour prendre la photo? Cacher lui. Eh, on peut mettre des emotes aussi. Non. On peut faire des poses. Pose pouvoir, tiens, on va faire. D'accord. Et pour prendre la photo, c'est quoi? Si je fais ça et que je fais ça normalement. Non. Non. Comment on prend la photo? Ah, c'est juste. Il faut faire imprimer écran quoi. C'est quoi, c'est F11? Yes. Bon bah voilà. On est pas beau gosse un peu. J'aime quand même assez bien. J'aime quand même assez l'espace. J'aime quand même l'aspect vivant de cet univers. Chafouin le bonhomme de neige. Ouais, j'avoue. J'avoue, il raloute. Il raloute. Et donc, du coup, maintenant que vous avez, là, pendant 3 heures, cette espèce de connaissances graphiques, si vous voulez, on peut essayer de relancer vite fait Wild Arts, juste 2 minutes pour voir la gueule que ça. Visuellement et tout. Avec les réglages et tout. Ça vous dit? On fait ça? Allez. Alors, quitter le mode photo. Voilà, on va faire une sauvegarde. C'est vrai que j'avais pas sauvegardé encore. Dangereux. Voilà. Hop, on va quitter. Si. Bien sûr que oui. Et c'est bien, il resave derrière quand même. Voilà, voilà. Et donc, du coup, là, on va lancer EA. Pourquoi tu te fais du mal? J'aime avoir mal. Je suis sadomasochiste. Sadomaso. Sadomasochiste. Hop. Alors, est-ce qu'on peut passer dessus facilement? Peut-être que j'attends qu'il se lance. Ouais, puis je pense aussi il va peut-être être pris en charge par... J'avais oublié. Puis je disais peut-être qu'il va être pris en charge par le Nvidia machin. Non. Alors, why? Alors, il le voit pas pour le moment. Alors, attendez, je suis en train de... Je vais attendre qu'il se lance bien. On va repasser comme ça 2 minutes. Bon, en tout cas, j'espère que ça va, la soirée vous aura plu quand même. Cela en a fait plus gros, hein. Et moi, franchement, je me suis bien amusé à remonter ce petit perso, là. C'était vraiment sympa. Mais c'est vrai que, ouais, et c'est ça, en fait, que j'aime bien. C'est pas forcément le gameplay, c'est pas forcément... C'est vraiment, comme tu dis, Sterna, tu vois, c'est un peu l'univers, le côté kawaii...
Mais sans non plus que ce soit trop... trop... sans que ce soit trop non plus gamin, gaga, voilà. J'ai bien aimé cet environnement un peu... un peu différent, quoi. Et du coup, on va essayer de revérifier un peu la gueule du truc. Il n'y a pas une mise à jour, hein, tout va bien. Content d'avoir découvert ce type de jeu, même si pas fan. Oui, bah oui, après, c'est vrai que c'est des jeux de niche, hein, clairement. C'est comme... c'est exactement comme... c'est exactement comme ETS, par exemple. Si tu joues pas à ça, en vrai, enfin... si tu connais pas trop, c'est... bon. Ça peut se comprendre que... bon. Si tu connais pas trop le monde des routiers, c'est peut-être normal que ça te parle pas. Enfin, tu vois ce que je veux dire. C'est pas what the fuck non plus, quoi. Alors, qu'est-ce qu'il me fait? Il est en train de charger, j'aurais peut-être pas dû essayer de bidouiller. Vous savez quoi? Je vais repasser hop, comme ça, vraiment. Voilà, comme ça, je vais le laisser charger proprement, le jeu va se fermer. Ouais, et toute donnée non sauvegardée sera perdue, c'est pas grave. Donc du coup, maintenant, on va rejeter un œil donc à Wild Arts. Et on va voir si j'arrive à le lancer. Touk. Juste visuellement, quoi. C'est même pas comparer le gameplay ou quoi que ce soit, c'est juste... avec les overlays vikings, j'ai l'impression que tu vas jouer à Valhalla, c'est vrai. Ou à Ragnarok, ou... Kratos, God of War. C'est vrai. Moi aussi, j'y pense des fois, quand j'entends, ça fait... puis t'as vu, j'ai mis des petits mots rigolos, genre « machin suit son Jarl à la guerre ». Ou couvrir un concert d'Aban Amarth. Exactement. EA Originals. Alors. Ah. Une barre de chargement. Mon Dieu, que va-t-il se passer? Et c'est vrai que derrière le fond noir, là, je pourrais peut-être mettre la capture du jeu. En fait, oh, écran noir. Attention. Suspense. Est-ce que le jeu a crash? Non. Vérification des extensions. Voilà, on est au menu principal. Faudra peut-être que je le fasse maintenant, d'ailleurs. Tac. Je vais mettre capture de jeu. Ouais, ici on met... ah bah zut, il voit pas le jeu. Ça c'est emmerdant ça. Vous pouvez arrêter de crier s'il vous plaît? J'espère que je vais pas devoir quitter le... attendez, automatique. Recherche un jeu à capturer. C'est bien fond noir, après ça risque de faire trop charger, non? Bah justement, je voulais essayer comme ça pour voir, j'ai jamais essayé. Attendez, capturer une fenêtre spécifique. Ah, Wild Arts, voilà. Tu vois, je voulais faire ça derrière, tu sais, genre le jeu, quoi. Le jeu en fond. Ouais, ça fait peut-être trop, hein, j'en sais rien. Tu vois, comme ça, par exemple. Alors, même si on voit en gros dessus... alors, attendez, on va passer, du coup, live. Voilà. Alors, qui est prêt à manger de la bouillie de pixels? On va retourner dans ce menu magnifique. Vérifier. Permet la mise à l'échelle supérieure dans le but de réguler le chargement de l'image. Ça, on peut le baisser. Plein écran, c'est obligé.
Le HDR, c'est pas activé. La luminosité de l'écran, perception des couleurs, on s'en fout. La V-synchro, on s'en fout. Limite de FPS. Là, il est en élevé. Voilà. Ok, appliquez les changements. Retour. Continuez, vous êtes prêts? Va-t-on mourir des yeux? Moi, j'aime bien comme ça. Les cèpes perfides aiment les berges du fleuve. Genre avec le fond noir? Ça représente le jeu auquel tu joues. Ouais, bah ouais, c'est ça. C'est exactement ça l'idée, je viens d'y penser, je viens de me dire. En fait, je suis transparent, je peux mettre ce que je veux derrière. C'est peut-être pas bête. Alors, ah ouais, mais non. Ça lag, non? Et regardez-moi ça, mais c'est moche. Ah, je vais redire pareil que hier, mais... C'est pas possible, hein. Regardez-moi ça. Alors, je sais pas si vous le voyez sur le stream. C'est affreux, quoi. C'est tout pixel. Putain, ça y est, je me trompe de... Ah zut, je me trompe de touche. Alors là, je viens de jouer à Monster Hunter 3. 3 heures. Ça y est, j'ai tout perdu. Attendez, on va aller se promener un petit peu. Non. C'est affreux. Pixelisé, on dirait une latence. Bah ouais. C'est très bizarre. Et je vois pas ce que je pourrais toucher vraiment en... Est-ce que par exemple si je baisse la limite des FPS? Ça me dérange pas. Hein. Mais il y a... Ouais. Vous voyez, c'est flou. L'herbe, elle est floue. Il est flou, Flolo, il est flou. C'est peut-être un peu moins moche là en 60. Je suis même pas sûr en fait. C'est pas ouf comme hier quoi. Ouais. Même au loin, si on regarde un petit peu au loin. En fait, c'est surtout là en sortant de Monster Hunter, ça frappe l'œil quoi. Là, on se dit ah ouais. Ah ouais, c'est dégueulasse. Alors que le jeu tourne en élevé. Hein. Et même en le mettant en très élevé, par exemple. Attendez, on va refaire le truc. Très élevé. Tout est à fond. Ah ouais, c'est juste ça que j'aime pas. Bon, avec le flou de mouvement et tout, vous allez voir, c'est encore pire. Voyez ? Comme tu dis, l'impression de latence, l'impression que c'est lent. Non, mais c'est l'optimisation. C'est vraiment de leur côté que ça foire, quoi. C'est pas le PC. Parce que là, le PC, moi, je le vois, il est à 50% de son truc. Après, les FPS, c'est juste le taux de rafraîchissement. Bah ouais. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que ça change pas le... Ah oh, ouais, C'est moche quoi. C'est fou. Hein. Et en mettant en moyen. Standard par exemple. Standard et en dégageant tout ça. Alors, déjà comme ça. Ah, c'est pas beau. Hein. Et il y a toujours cette espèce de flou dès qu'on bouge. Alors si c'est le flou de mouvement, c'est pour ça que je le tège à chaque fois le flou de mouvement et tout, je dégage ça, l'occlusion ambiante et la profondeur de champ pour virer les flous. Oui. Et quand des fois je tombe sur un monstre, ou que je combats par exemple, vous voyez cette lenteur là. C'est pas normal hein. Ça ne marche pas. Crène, anti-crénelage aussi, faut l'enlever. Alors attends, anti-crénelage.
Le TAA là? Non mais aucun. Ouais, c'est peut-être moins. Ouais, t'as raison, c'est peut-être moins moche comme ça. Pauvre bête. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est peut-être plus fluide comme... Mais non, il y a des trucs, j'ai l'impression que ça... Ça fait des petites saccades, on dirait. Ah ouais, je suis vraiment déçu, quoi. J'essaie d'aller ailleurs pour changer d'environnement. Mais même les arbres, regardez, il y a un grillage sur les arbres. C'est vraiment chelou. Non, mais je pense qu'il faudra, faudra attendre cette fameuse mise à jour d'optimisation. Hein. Je sais pas ce qu'ils ont foutu, mais... Ouais, faut attendre des patchs. Si la carte graphique c'est une Nvidia anti-crénelage, soit faut l'enlever, soit faut mettre tout en TX. Bah ouais. Et là c'était quoi? C'était FXAA, c'est ça? Genre FidelX pour AMD peut-être. Effectivement. Et là du coup peut-être que en ayant viré l'anti-crénelage, si je remets par exemple. En ayant retiré. Ouais. Parce que là, du coup, l'anti-crénelage, c'était quoi, on avait dit? FX et TAA. Et tu vois, ils auraient pu mettre la description, quand même. Hein. Mais là, peut-être que... Ce sera peut-être... Attendez. Ce sera peut-être... Moins pourri, si je réessaye comme ça, que je vire ça. Le flou de mouvement, j'aime pas, mais... Oui. Ah. Ça ressemble peut-être à quelque chose. Alors, est-ce que c'est beau? Moi, franchement, quand je vois les fils, là, les fils bleus, les karakuri, les fils bleus de karakuri au bout, là, sur les caisses, là, que j'ai construit, ça fait dégueulasse, quoi. Ça fait gros fil moche, quoi. Vous voyez? Et regardez les bords de l'eau sur le... Juste au-dessus, là. Les bords de l'eau sur le... Vous voyez? Sur le rivage. Ça fait dégueulasse. Ça fait une bouillie de pixels, là. Ah non, il y a vraiment un truc. Hein. Pendant ce temps-là, moi, je vole des escargots de rivière. Tout ce qui est à l'horizon, c'est moche. Ouais, voilà, c'est ça. C'est exactement ça. Même les cheveux de mon personnage, tu vois, il y a tout qui clip. Ça fait du clipping, c'est... Enfin, pas du clipping, mais ça scintille, ça frou, quoi. Regarde les cheveux de mon perso. Tu vois, ça fait un... Alors, vous, peut-être qu'avec la... Le fait que ce soit mis en 1080, peut-être que ça... une bouillie de pixels. C'est clair, c'est affreux. Franchement, ils n'avaient pas le droit de le sortir comme ça, quoi. Vous n'aviez pas le droit. Si on vire tout, alors, l'occlusion ambiante et tout. Ouais, c'est peut-être un peu moins... Ah ouais, mais regardez-moi ça, les fils. Les fils, on dirait, ça fait un cube à côté d'un cube, à côté d'un cube, à côté d'un cube. Sinon c'est dynamique, hein. C'est cool. Hein. Mais ouais. Ah ouais, là, c'est... ça bave. Ça bave de ouf. Puis c'est pas fluide en fait. C'est ça le problème, c'est que c'est immontrable à des gens, quoi. C'est pas fluide.
Bon voilà, c'était juste pour terminer ce petit live sur Monster Hunter et se dire « Ah ouais, quand même, en 2023, on est capable de sortir ça alors que le dernier Monster Hunter PC, il est quand même super beau, quoi. Ah, c'est quoi ça? Qu'est-ce que j'ai eu? Ah, une lettre perdue. Il n'y a aucun espoir de dégager les champs pour la culture, vu le nombre incalculable de kemono. Et en plus, ça m'intéresse, vous voyez, l'univers et tout, ça a l'air quand même pas mal. Mais ouais, bon, bah c'est tout. Allez, on s'emmerde pas. Retourner à l'écran titre. J'ai fait quitter, là. Eh merde. D'accord. Et est-ce que vous voulez retester, tiens, Need for Speed, vite fait. Juste pour voir les graphismes par rapport à hier. Alors attendez, je rechange de jeu. C'est juste pour voir, parce que hier, avec mon PC taqué, ouais, bah t'étais là, Sterna plutôt, du coup on a galéré, on a fait des trucs et tout. Avec les FPS illimités, ce sera plus fluide qu'en 60 FPS. Ouais. Ouais, faudra que je vais rebidouiller, mais de toute façon, je veux dire, c'est confirmé par l'industrie, il y a un problème d'opti. Need for Speed Underground, non, Unbound. Yeah. Yeah. Je t'avais pourtant dit que t'allais te faire du mal, mais ouais, carrément, à fond. Non, il respecte pas les joueurs en le sortant dans cet état. Bah non, parce que c'est quand même, je veux dire une grosse boîte, quoi. C'est Koei, quoi. Koei Tecmo. Et en plus, ça sort sous l'égide d'Electronic Arts. Putain, les gars, quand même, quoi. Je veux dire, vous êtes pas un petit studio indé à 12 à bricoler dans un petit garage, quoi. Enfin, je veux dire, faut arrêter de déconner. Alors, les paramètres vidéo. Qu'est-ce qu'on avait fait déjà? Je me souviens plus. Échelle de résolution. 100. Il n'y a pas d'HDR. Qualité graphique. On va le mettre en haut. C'est quoi le suréchantillonnage? On passe le TA standard pour obtenir une image fidèle de meilleure résolution à partir des buffers de sources plus basses. Non. Non. Pourquoi la caméra elle tourne? Pourquoi la caméra elle tourne quand je veux tourner? Merde, on va revoir le mec avec le type au sparadrap. Attendez. Il y a un problème dans les commandes là. Vibration manette, oui. Inertie 22. Raccourci clavier. Ouais. Mais par contre. Raccourci dans le monde. Pourquoi ça tourne la manette? Ouais, je vais réinitialiser, tiens. Il veut pas quitter. Ah, enfin. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Vous avez déjà vu ça, vous? Alors, je sais que j'ai changé de manette, mais quand même, c'est une Razer Xbox, quoi. Je veux dire, je fais pas... Bon, bref. Bon, on verra ça demain, c'était juste pour voir comme ça, vite fait. Et donc là, ça a l'air d'aller mieux, quand même, hein. Le visuel. Allez, quitter la partie, ça m'énerve.
télécharger Red Dead Redemption 2 en 15 minutes. Quel plaisir, la fibre. Ah, mais ouais, mais tu m'étonnes, c'est clair. Ah, mais voilà, regardez, c'est pas mal, non, avec l'affichage. On va revoir le mec au sparadrap, bah là, ouais. Bon, c'est cool. C'est cool, c'est cool, c'est cool. En tout cas, bah, moi, on va se quitter là-dessus. J'espère que je vais pas me faire striker là-dessus, sur les musiques. Hop. Bah, je vous remercie en tout cas, les gars, d'avoir passé cette soirée avec moi. On a bien rigolé, et puis on a bien découvert des choses. Bah, j'ai beaucoup expliqué. C'est vrai que bon, c'était pas évident à prendre en main, hein, ce genre de jeu, mais voilà, je suis content. Si ça vous a plu, si ça vous a fait découvrir un nouveau type de jeu, bah, c'est cool. Donc je vous dis, hein, Monster Hunter, Wild Earth, et puis du coup, avant, c'était Toukiden. Et Toukiden, c'était fait par les mecs qui ont fait la Wild Earth. En gros, Toukiden, ils en ont fait 1 et 2, et là, maintenant, ils ont fait Wild Earth. Donc qui est optimisé avec les pieds, donc... C'est pour ça qu'on a fait du Monster Hunter World. Allez, bonne nuit les amis. Merci à tous d'avoir suivi ce live. N'hésitez pas à vous abonner. Et puis voilà quoi. La vidéo sera disponible en VOD sur la chaîne YouTube le plus rapidement possible. Merci à tous d'être venus. Et on se retrouve bientôt. Salut à tous. Salut.